hockey a connu des cycles passionnels d'une rare intensité dans la région de Québec au cours du siècle dernier. Inspirés par Joe Malone, les Bulldogs de Québec ont d'abord embrasé leurs partisans avec deux Coupes Stanley consécutives en 1912 et 1913. Les As de Québec ont rallumé le flambeau avec la conquête de la Coupe Allen en 1944 et du trophée Alexander au début des années 50. Vinrent ensuite les années enivrantes des citadelles, marquées par l'incomparable Jean Béliveau. Les Remparts ont pris la relève au début des années 70 avec Guy Lafleur, qui les a conduits à la Coupe Memorial. Et finalement, en 1972, l'entrée en scène des inoubliables Nordiques avec le magicien Jean-Claude Tremblay. Étalée sur 23 ans, dont 16 dans la Ligue nationale, l'aventure des Nordiques de Québec, une histoire d'amour, rompue dramatiquement par leur exil au Colorado en 1995. Artisans de l'épopée romanesque des Fleurs d'Élysée, les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs et même les journalistes ont accepté généreusement de livrer leurs témoignages pour accréditer ce florilège réalisé par les productions Synergie Multimédia de Saint-Nicolas. La narration de ce vidéo-souvenir fait volontairement abstraction de toute forme de critique, laissant aux amateurs le privilège de tirer leurs propres conclusions. Un seul critère absolu a guidé notre démarche, l'observation rigoureuse des faits. Les Nordiques de Québec, notre équipe, une affaire de cœur, engendrée par la création de l'Association mondiale de hockey au début des années 70. Le 23 août 1971, une poignée d'hommes d'affaires membres de la société Colibec vendent pour la somme de 60 000 $ leurs actions des Remparts de Québec. Ils sont identifiés comme le groupe des six, dont les principaux ténors sont Jean-Marc Bruno, Marius Fortier et John Dickers. Ces téméraires conviennent de réinvestir leurs profits du hockey junior dans l'achat d'une concession de l'Association mondiale de hockey que vient de fonder Gary Davidson. Convoqués au Cercle universitaire de Québec pour discuter du projet, les politiciens et hommes d'affaires sont loin d'être emballés. Puis Gilles Lamontagne dit, écoute, moi, le travail que je peux faire, je peux te réunir du monde. Puis toi, bien, vends-leur ton idée, c'est ta job. Puis à un moment donné, après mon exposé, il se lève, puis il dit, Monsieur Fortier, là, c'est utopique, votre affaire, ça n'a pas de bon sens. Ça ne pourra jamais vivre à Québec, ça. J'ai pas besoin de vous dire que quand Jean Lesage s'est levé pour dire que c'était utopique, puis j'étais un rêveur, ben, je me suis resté avec mon petit bagage, je me suis en allé, puis il n'y a pas personne qui a embarqué. Ça n'a pas soulevé tellement d'enthousiasme au départ parce qu'on s'est senti un peu piégé. Ça n'a pas été, fructueux ce soir-là. Il y en a qui y croyaient, d'autres n'y croyaient pas. D'autres, peut-être, pensaient que c'était dans leur intérêt personnel d'investir ou enfin de s'en occuper. D'autres, c'était une question de vouloir que Québec soit sur la carte. Il y avait toutes sortes de sentiments qui bougeaient autour de ce projet-là. Alors, il s'agissait de les convaincre, de tout mettre ça ensemble et puis de dire, écoutez, là, les Nordiques, c'est valable pour Québec, il le faut. Néanmoins, les aventuriers de Québec poursuivent leur démarche. Lorsque les représentants du groupe D6 se pointent à Anaheim, en Californie, le 11 février 1972, 10 des 12 concessions envisagées sont déjà vendues et les deux dernières réservées pour les territoires de la Nouvelle-Angleterre et de l'Ontario. Piégés par une brillante entourloupette de Gary Davidson et ses associés, les Québécois versent 215 000 $US à Michael O'Hara, un prête-nom, pour le rachat de la concession de San Francisco, payé initialement 50 000 $. Ouais, on avait carrément l'impression de s'être fait avoir. Puis effectivement, on s'est fait avoir un peu parce que les autres avaient payé 25 000. Alors, ils voyaient les pressions de Québec gros comme ça, hein, ça, c'est bien évident. À ce moment-là, les demandes de risque étaient de 50 000 parce qu'on avait négocié le premier paiement. Ça a été plus grave lorsqu'il y a eu un meeting à Chicago. Donc, j'y étais pas, mais John Dicker est là. Puis John Dicker me téléphone pour me dire que ça prend un endossement de plusieurs centaines de mille piastres pour partir la ligne. J'ai répondu à John, signe, on s'organisera. Les pionniers des Nordiques avaient-ils vraiment le choix, considérant le prix d'une concession dans la Ligue nationale? 215 000 contre 6 millions, avec la possibilité probablement d'avoir une fusion dans 5 ans, on a pensé que c'était un bon deal.
Admis dans l'AMH, les représentants de Québec sont bousculés par le temps. Ils doivent préparer la première séance de repêchage du circuit prévue pour le lendemain. Une nuit blanche en perspective et beaucoup d'interrogations en tête. À notre tour, on a commencé le repêchage. Puis on a commencé à mettre les noms des grandes vedettes du Canadien à ce moment-là. Donc, je pense que le premier nom, c'était Guy Lafleur, si ma mémoire est bonne. Ça vous donne une idée qu'on a mis plusieurs centaines de noms. Tout ce qui patinait sur la planète avait été repêché, y compris tous les Russes et tous les joueurs du Canadien, tandis que les Nordiques. Ce qui avait enragé Sam Pollock, je me rappelle au retour de la Californie, je m'étais arrêté au Forum avec Claude Bédard pour rencontrer M. Pollock. Il nous avait fait une sortie en beau diable pour nous dire que cette ligue-là non plus ne fonctionnera pas puis qu'il protégerait son butin. Pour nous, ce qu'il fallait savoir, c'était la terminaison de leur contrat. Parce que c'est bien évident qu'on ne pensait pas pouvoir aller chercher des joueurs qui avaient signé des contrats dans la Ligue nationale puis aller les chercher avant l'expiration de leur contrat. Marius Forcier, Claude Larochelle et moi étions dans une chambre avec les Sporting News, les Media Guide, en fait, les annuaires du hockey majeur. Puis on avait sorti tous les noms imaginables de tous les joueurs qui jouaient au hockey, même ceux qui ne jouaient plus. L'aventure de l'AMH à Québec entretient un certain doute quant au financement. Le groupe des six traverse une période difficile avant de convaincre certaines personnalités de prestige de les épauler. Paul Racine, Maître Jean Lesage et Charles Marquis se mobilisent pour diriger la croisade. Leur démarche produit des résultats inespérés avec la création de cellules financières qui regroupent plusieurs investisseurs, petits et gros. Le 5 mai 1972, à Place Laurier, les Nordiques de Québec ont une mise de fonds de 2 millions de dollars, dont la moitié en liquide et l'autre sur endossement. Je pense que le premier budget des Nordiques, c'était à peu près de l'ordre de 2 millions. Mais investir 2 millions là, pour un groupe de Québec, là, c'était pas si évident que ça en 1972. Si vous investissez, la Ville fera le maximum possible pour vous aider à tout point de vue. Point de vue service, au point de vue stationnement, aménagement du Colisée, on va vous aider au maximum. Le monde arrivait, il dit, copropriétaire des Nordiques. C'était le fun, puis on voyait qu'ils voulaient participer autant que comme nous qui étions dans l'administration. Paul Racine, Charles Marquis, des hommes d'affaires puissants à Québec à ce moment-là, qui avaient de l'audace, on n'en trouve plus beaucoup aujourd'hui. Et surtout Jean Lesage, l'ancien premier ministre du Québec, a trouvé que pour la ville de Québec, c'était le meilleur tremplin. Il savait lui aussi que ça irait dans la Ligue nationale, cette affaire-là. Puis que ce serait le meilleur ambassadeur de la ville de Québec à travers l'Amérique du Nord. La question financière réglée, le tandem Fortier-Fillion veut des gros noms pour donner de la crédibilité à l'organisation et de la visibilité à l'équipe. Il se tourne vers l'idole d'un peuple, le célèbre Maurice Richard, pour le poste de premier entraîneur des Nordiques. La première rencontre, Maurice n'était pas très réceptif à l'entretien. Mais sa femme nous avait dit, inquiétez-vous pas, on va travailler de notre côté pour faire quelque chose. Je n'ai pas taponné trop, Maurice Richard. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, moi, je veux que tu viennes coach avec les Nordiques de Québec. Hein? Dis-moi, coach à Québec. Si tu rêves en couleur, ça n'a pas de bon sens. Adulé à la grandeur du pays et même outre-frontière, le Rocket craint la réaction des amateurs à Québec. Pour dissiper ses doutes, on l'invite à une partie de baseball des métros au stade municipal. Standing ovation pendant 3 minutes. Maurice Richard broyait, moi ici. Puis il est venu signer son contrat dans le bureau des métros tout de suite après. L'AMH veut des joueurs établis pour lancer ses activités et concurrencer la Ligue nationale. Le gardien Bernard Parent, le premier, saute la clôture et se retrouve avec les Blazers de Philadelphie aux côtés de John McKenzie, joueur-entraîneur. Bobby Hull signe un contrat de 10 ans avec les Jets de Winnipeg pour un montant de 2 750 000 $ avec un ranch et une résidence en prime. Suivent Jerry Cheevers avec les Crusaders de Cleveland et Derek Sanderson avec Philadelphie, lui aussi pour 10 ans et 2 325 000 $ plus une Rolls-Royce. De leur côté, les Nordiques jettent leur dévolu sur Jean-Claude Tremblay, arraché aux Canadiens de Montréal à raison de 140 000 $ par année sur un contrat garanti de 5 ans. Il est tanné d'être avec l'organisation du Canadien. Nous, on lui offrait 120 000
avec un chèque pour signer son contrat de 100 000. Puis ça a pris deux jours, puis c'est fait. Jean-Claude a été celui qui a permis aux gens de dire, bon, ben écoute, c'est pas la Ligue nationale, mais c'est pas la Ligue américaine non plus. L'AMH, je pense, aura été ce qui était le plus proche du hockey majeur en dehors de la Ligue nationale. Quelques autres joueurs clés sont greffés à l'équipe, dont Jean-Guy Gendron et Michel Parizeau. Le premier camp d'entraînement des Nordiques provoque un intérêt indéniable. Le Colisée est pris d'assaut par une colonie d'athlètes bigarrés, parmi lesquels on tente de sélectionner les meilleurs. C'est sûr qu'on a retrouvé toutes sortes de joueurs, de toutes sortes de calibres, mais on était conscients que c'était un début. C'était un camp d'entraînement très spécial. C'est probablement le plus spécial que j'ai eu parce que les joueurs arrivaient à ce moment-là avec leur équipement eux-mêmes. Il y en a qui arrivaient avec leur soupe de jogging, une paire de patins dans les mains. Tout le monde voulait venir au camp d'entraînement. Pendant ce temps, Maurice Richard est à Moscou où se joue le dénouement de la série du siècle. Le premier entraîneur des Fleurs de l'Isée rate une bonne partie du camp d'entraînement, ce qui n'est pas de nature à calmer ses appréhensions. Bien, pendant ce camp d'entraînement-là, j'étais à Moscou, mais la meilleure, c'est que une journée, je circulais à l'hôtel In Tourist à Moscou. Je rencontre Maurice Richard, le premier entraîneur des Nordiques. Puis il me regarde avec son air un peu marabout, habituel. Sympathique à l'intérieur, Maurice, mais extérieurement. Puis il me dit, toi, là, tu me fais penser à quelque chose de très désagréable. Puis je me rappelle que lorsque Maurice a fait le premier pas, sa première pratique, je pense qu'il était tellement nerveux qu'il avait de la misère à patiner. Finalement, le soir de la grande première arrive et les Nordiques de Maurice Richard affrontent les Crusaders à Cleveland. Tout le monde debout. Je ne sais pas si Maurice avait déjà joué à Cleveland. Je l'ignore totalement. Ça me surprendrait parce que Maurice, je ne pense pas qu'il ait joué dans la Ligue américaine. Tout le monde. Tellement que Gary Davidson, président de la Ligue, m'a demandé après ça, mais who's that guy? Il n'en revenait pas de l'accueil que Maurice Richard avait eu à Cleveland. Ben, ça, c'était à Maurice Richard. Et alors, Maurice Richard disait à Maurice Filion, mais les trios, c'est quoi? Comment est-ce que tu joues ça? Alors, qui joue avec qui? Alors, Maurice Filion lui a donné les trios sur un bout de papier, les paires de défenseurs, puis il dit, ton gardien de but, c'est Serge Aubry. Alors, le match a commencé, Maurice était derrière le banc, puis il suivait son petit papier, puis il changeait ses lignes de cette façon-là. Cleveland, à ce moment-là, avait beaucoup plus d'expérience qu'on pouvait en avoir. Alors, ça jouait effectivement à leur faveur. On avait eu un 5 contre 3, et puis Maurice, vu qu'il connaissait pas tellement le joueur, m'a envoyé Pierre Guité à la défense parce qu'il était gros, il pensait que c'était un défenseur. C'est pas tellement plaisant tant que tu reçois des chats, t'en es en main, là, puis tu vois, avec, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais ici. C'est Maurice qui m'envoie, je fais face. Mais c'était comique. Du Colisée survolté pour le match inaugural. François Lacombe marque le premier but de l'histoire des Nordiques et la magie de Jean-Claude Tremblay décuple les forces dans une prestation inoubliable qui se traduit par une victoire éclatante de 6-0 des Fleurs de l'Isée aux dépens des Oilers de l'Alberta, leur nom d'origine. On sentait là vraiment que là, Québec, c'était une ville avec une équipe professionnelle et avec un public qui tout de même là, était derrière cette équipe-là. On se disait bien, il fallait gagner, essayer de gagner la première match pour montrer au monde de Québec que la Ligue mondiale était aussi un nouveau circuit, mais qu'il y avait quand même un bon calibre de jeu.
À l'évidence, le Rocket ne supporte pas la pression du rôle d'entraîneur qui le martyrise. Dès le lendemain, Maurice Richard remet sa démission ajoutant ce commentaire laconique. « Je ne veux pas mourir derrière le banc. » J'étais en haut au bureau le matin. Maurice m'appelle, me fait demander, je descends en bas, il me dit « C'est fini. » Je dis « Comment c'est fini? » Il dit « Oui, c'est fini. » Dis-moi, il dit « Comment que je voudrais, là, je pourrais pas faire ça, je peux pas être coach. » On pouvait sentir qu'il était pas complètement à l'aise. On pouvait sentir qu'il était peut-être pas également préparé à ce travail-là. Maurice Richard trouvait ça très difficile. Partir de club champion de la Coupe Stanley et arriver avec une équipe qui commençait, qui faisait ses premiers pas, avec, il faut l'admettre, plusieurs joueurs qui n'étaient pas de calibre. Donc, c'était vraiment un choc pour lui. Mais par contre, juste le fait de côtoyer l'homme pour ces quelques matchs a été vraiment... C'était extraordinaire. Puis aussi, c'était un petit peu difficile pour lui parce qu'il avait pas, c'est pas lui qui avait monté l'équipe au tout début. Maurice Filion prend la relève dès le troisième match. Pendant que les Nordiques peinent sur la glace et arrachent difficilement les victoires, dans les coulisses, on mijote un coup fumant susceptible d'intéresser d'autres noms de prestige. Le 14 mars 1973, par l'entremise de son beau-père Roger Barré, concessionnaire automobile très en vue, les Fleurs de Lysée font une offre à Guy Lafleur. Monsieur Racine, à l'époque, nous avait fait attendre pendant des heures et des heures, puis on était revenus, en fin de compte, bredouille, parce qu'on n'avait pas eu le temps de discuter. Parce que M. Racine était trop occupé, puis ça m'avait refroidi un petit peu. J'ai dit, écoutez, M. Pollock, j'aimerais bien attendre en fin de journée. Je lui dis, là, on est dans les séries, puis entre-temps, je savais que mon beau-père s'en venait avec une offre écrite, parce qu'on demandait 1 million pour 5 ans à Québec, dans ce temps-là. Puis Sam Pollock, à un moment donné, m'a dit, bien, tu sortiras pas de mon bureau tant et aussi longtemps que tu n'as pas signé le contrat. Il dit, oups! Lorsque Roger a pu rencontrer Guy Lafleur après le match, puis qu'il a montré le contrat que les Nordiques lui offraient, moi, on me dit que Guy Lafleur était parti en voyant, puis qu'il avait essayé, même le soir même, d'annuler le contrat qu'il avait signé avec le Canadien pour s'en venir avec les Nordiques. Il avait le cœur beaucoup plus à Montréal que chez nous. Ça, on l'a senti dès le début. La première édition des Nordiques représente une attraction indéniable avec ses nombreux joueurs francophones. Très peu, cependant, sont du meilleur calibre et l'équipe joue dans une moyenne inférieure à 500. La détermination de chacun est appréciée, mais les carences sont évidentes. 71 points de classement confèrent aux Fleurs de Lysée le cinquième rang de leur division et l'exclusion des séries d'après-saison. C'était un peu difficile. On n'a pas tellement une grosse équipe, mais on avait une équipe qui travaillait fort. Évidemment, c'était une équipe qui avait beaucoup de trous dans son alignement. C'était pas une équipe très, très forte. Mais c'était une équipe qui a suscité beaucoup d'intérêt tout de suite en partant. J'étais jeune, je débutais à ce moment-là avec le Canadien. Je voulais évoluer plus souvent. Les Nordiques m'ont donné cette chance-là d'évoluer plus souvent, de jouer sur les attaques à 5, d'avoir beaucoup plus de temps de glace. Et je pense que cette transition-là avec les Nordiques m'a permis d'être un meilleur joueur. C'est évident, lorsque tu vas chercher Régent Hull pour l'AMH et les Nordiques, c'était un gros, gros coup parce que Régent a toujours été un joueur populaire à Montréal, un bon joueur de hockey, un travaillant, un type du côté relation, puis de ça qui apportait beaucoup. Bernier est un joueur extraordinaire, également un joueur de pointe incroyable. Moi, je pense que, y compris la Ligue nationale, j'ai pas vu un joueur des Nordiques exceller à la ligne bleue pendant les avantages numériques comme le faisait Serge Bernier. C'est
Ça a été un des pires moments de l'histoire, l'engagement de Jacques Plante comme directeur gérant. C'est quelqu'un a pensé faire un bon coup, là, et ils se sont trompés royalement. Pour reprendre une expression qui est aujourd'hui régulière, c'était pas mal rock'n'roll. Confirmé dans le double rôle de directeur gérant et entraîneur, c'est un contrat garanti de 600 000 $ réparti sur 10 ans qui est consenti à Jacques Plante. Une initiative pour le moins téméraire, dont heureusement, on réussit à se défaire au terme de la première année. Ça, je pense que ça a été, je vais pas à me cacher, je pense que ça a été un des pires moves des Nordiques, d'aller chercher un gars comme Jacques Plante pour devenir le coach des Nordiques. Je pense qu'il y avait d'autres candidats qui auraient pu passer beaucoup avant. Je veux pas parler tellement de l'époque de Jacques Plante, parce que c'était pas, ça n'a pas été une époque heureuse. Ça a certainement été l'année la plus difficile des Nordiques dans leur existence. J'ai l'impression que Jacques Plante était très bon pour analyser un jeu une fois qu'il était fait, mais pour préparer une stratégie, préparer un plan de match, je pense qu'il n'était peut-être pas tout à fait prêt. Mais il reste qu'il a mis l'existence des Nordiques en danger. La deuxième saison est encore difficile, même si les Nordiques jouent dans une moyenne légèrement supérieure à 500. L'acquisition de Réjean Houle n'est pas suffisante pour ouvrir la porte des séries éliminatoires. Les partisans manifestent de l'impatience et l'avenir de l'organisation n'est pas évident. Toujours à la recherche d'un leader offensif, les Nordiques repêchent un talent exceptionnel du hockey junior majeur québécois, Réal Bodé-Cloutier, le nouveau dieu des remparts. Le jeune surdoué relève le défi de faire le saut chez les professionnels à 18 ans. Avec Christian Bordelot en provenance de Winnipeg, il devient l'un des adjoints importants des Nordiques à l'aube de leur troisième campagne. Au début, c'était le petit gars de Saint-Émile, plus que d'autres choses, puis il me laissait aller un petit peu, puis tout. Mais aussitôt que j'ai devenu avec des grosses saisons après ça, je pense que tu n'as plus le droit de baisser. Il faut toujours t'aller en augmentant, puis quand tu arrives avec des saisons de 60-70 buts, je pense que tu es rendu pas mal au summum, c'est difficile à garder le tempo. Mais par contre, les gens deviennent très exigeants pour un de les là. Comment tu veux, ça se peut pas. Bodé, je sais pas si. Ça n'aurait pas de bon sens, il y a un talent, ce gars-là. Il a quand même eu une belle carrière, mais moi, dans moi, il aurait pu. Il aurait fait beaucoup mieux, beaucoup plus ce qu'il a fait. Je dis souvent, j'ai jamais vu un joueur aussi talentueux dans ma carrière que Réal Cloutier. Après la capture de Jean-Claude Tremblay, l'échange de Marc Tardif le 7 décembre 1974 s'inscrit comme l'une des manœuvres les plus géniales du directeur gérant Maurice Filion. Pour obtenir le flamboyant ailier gauche des Stags du Michigan, les Nordiques doivent cependant sacrifier trois joueurs, Alain Caron, Pierre Guittet et Michel Rouleau. Et c'était un des points tournants de l'histoire des Nordiques, l'arrivée de Marc Tardif, parce qu'il a joué du bon hockey à Québec. Ça a été un joueur qui a eu une grosse, grosse influence sur l'histoire du hockey à Québec, y compris la Ligue nationale. Puis on a trouvé qu'avec l'arrivée de Marc Tardif, tout a tombé ensuite du bon côté. On a fait d'autres transactions, Bordelot et ainsi de suite, qui a vraiment fait des Nordiques une équipe de première classe. Bordelot manœuvre bien, veut faire la passe à Tardif. C'est fait, mais c'est Houle qui passait derrière. Oh! Et goal! Mieux équipé avec une brigade de tireurs d'élite qui comprend les Tardif, Cloutier, Bordelot et Houle. Sans oublier Richard Brodeur, très solide devant le filet, les Nordiques sortent de l'ombre. Ils font un saut spectaculaire et remportent le championnat de leur division après avoir terminé cinquième à chacune de leurs deux premières campagnes. Premier tour des séries éliminatoires, les Québécois se débarrassent des Roadrunners de Phoenix en cinq parties avant d'écarter les Fighting Saints du Minnesota en six lors de la demi-finale. Houle met un contre-attaque, passe à contre-attaque. Oh! Bordeur. Il a tenu les spectateurs en haleine pendant quelques secondes. Vers Bernier, Van Aleho, et Bernier, là!
À 4 minutes 15 secondes de la fin de la troisième période. Route vers le filet et c'est le but. Bien sûr, une participation olympique du Québec en finale de l'AMH. Mais le beau parcours des Nordiques fait une embardée spectaculaire contre les Arrows de Houston où s'amorce la série finale dans des conditions dérisoires. Fait qu'automatiquement, le lendemain, moi, j'avais donné congé à mes joueurs. Je dis, ce soir, là, je dis, relaxé, on joue pas avant mercredi prochain. Ça fait que le lendemain matin, ils appellent tous. On dit, mais là, on part aujourd'hui, on va jouer à Houston, on joue demain. Il a fallu loger dans des appartements où on avait simplement des matelas étendus par terre. Et Houston, c'est une ville quand même où l'humidité est assez élevée, le taux d'humidité est assez élevé. On avait des toutes sortes de bébites qui se promenaient par terre, des coquerelles, toutes sortes de choses. Alors, c'était assez particulier. Même les joueurs qui ont participé à ça se souviennent surtout, je pense, même pas de la série, mais d'où ils avaient dormi, parce que c'était absolument épouvantable. Ça a dérangé beaucoup de gars, et puis je pense que cette année-là, on avait vraiment l'année pour gagner la Coupe AFCO. Selon moi, la figure dominante de cette série, de même que les deux Howe, Gordy et Mark Howe. Le cauchemar de Houston ne doit pas faire oublier cependant une saison étoffée par ailleurs de performances individuelles et collectives dignes de mention. Entre autres, Jean-Claude Tremblay, plus dominant que jamais, remporte pour la deuxième fois en trois ans le trophée Dennis Murphy, remis au meilleur défenseur de l'AMH. Ah, le bougonneux. Le bougonneux. Il arrivait le matin, on ne pouvait même pas y parler pendant une demi-heure parce que ça ne servait à rien. Mais c'était un fier compétiteur. Puis quand il donnait un conseil à un jeune puis que le jeune ne prenait pas, ben c'est certain qu'il ne perdait pas son temps avec, il ne reparlait pas de l'année. Des fois, il était très, très souriant. Puis des fois, tu arrivais là, puis il pouvait être une semaine sans te parler, tu te demandais ce que tu y avais fait. T'sais. Jean-Claude Tremblay est exceptionnel. Jean-Claude Tremblay, c'est un phénomène. C'est le gars qui a permis aux Nordiques vraiment de survivre. Lui et moi, on s'entendait bien parce qu'on était, toi, moi, fou bougonneux, lui était bougonneux. Puis on s'entendait très bien, mais Vandelot, c'était un bonhomme sincère. C'était un bonhomme qui a toujours joué avec cœur, puis il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Moi, il me disait, là, il y a des fois, à la fin de la partie, je te lance la rondelle, prends-la, là, c'est parce qu'on va tuer du temps. Là. Il faut être à l'autre bout de la glace puis me lancer la rondelle pour pouvoir tuer du temps. Mais si t'étais ami avec... Si t'étais ami pour la vie. Mais si jamais t'aimais pas, là, mais là, c'était complètement... T'étais haute. Il voulait rien savoir, là, toi. Je me souviens une fois, j'interviewais Richard Brodeur et Richard Brodeur m'avait dit, « Maurice, ne te retourne pas. » J'ai dit, « Pourquoi? » Il dit, « Jean-Claude Tremblay s'en vient, il est furieux contre toi. » J'ai dit, « Écoute, Richard, moi, ça me fait rien, mais si je me retourne pas, à un moment donné, tu vas me dire de me tasser, hein? Ah, je suis aussi bien de faire ça tout de suite. » Puis là, ça avait éclaté. Le meilleur joueur d'hockey que j'ai vu, moi, pour les Nordiques, c'était Jean-Claude Tremblay. Et je pense que si Jean-Claude Tremblay avait eu 5 ans de plus jeune pour jouer avec les Nordiques dans la Ligue nationale, il aurait atteint des sommets inégalés.
En saison 75-76, le trio Bordeleau-Cloutier-Tardif totalise 371 points, dont 168 buts. Les Nordiques dépassent le cap des 100 points de classement pour la première fois de leur histoire. Ils doivent néanmoins se contenter du deuxième rang de leur division, 2 points derrière les Jets de Winnipeg, 106. Le 11 avril 1976, le Colisée de Québec est le théâtre de l'épisode le plus dégradant de l'histoire du hockey professionnel. Lors du deuxième match de la série quart de finale, Rick Giozzio, le matamor des Cowboys de Calgary, se rue sauvagement sur Marc Tardif. Je me souviens toujours lorsque Marc est revenu dans la zone chercher la rondelle, j'ai crié à Marc, fais attention, il y en a un qui s'en vient, j'ai crié, mais il est arrivé à pleine vitesse, on se souvient, c'est Rick Giozzio qui a sauté dans les airs pour l'assommer. C'était une agression qui a, je pense, peut-être un peu nuit à ma carrière après, parce que tu perds la motivation ou tu perds tes craintifs. C'est un peu comme un accident d'automobile majeur. Tant t'as plus de jouer parce que tu sais, à un moment donné, tu dis là, tu joues au hockey, tu gagnes ta vie avec ça. T'es un père de famille, un gars qui a des enfants, puis l'autre gars, l'autre bord, peut-être que tu sais, veux dire, puis si ça, on disait, ça tient pas debout, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Quand c'est arrivé ici, c'était quasiment inimaginable qu'une chose comme ça puisse arriver chez nous. Puis ça aurait pu arriver à Calgary, mais arriver chez nous, ce qui s'en est suivi était terrible aussi. Et pour Marc et pour tous les joueurs. Cette fameuse soirée-là, au Colisée, moi, je pense que ça l'a brisé un peu la carrière de Marc Tardif, malheureusement. Et on n'a jamais pu se faire confirmer si Crosgur, le coach, Crosgur qui fait partie de l'histoire du hockey à Québec, qui a joué pour les As, qui a dirigé les As, on n'a jamais pu se faire confirmer si c'est lui qui avait donné le message à Giozzio d'aller sortir Marc Tardif. L'attaque inqualifiable du fier à bras des Cowboys laisse des séquelles graves. Marc Tardif souffre d'une fracture du crâne et sa carrière est compromise. L'incident de Giozzio est porté devant les tribunaux civils, mais les porte-couleurs québécois n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Les Nordiques s'inclinent en 5 parties. Au début de la 5e saison, l'Association mondiale de hockey ne compte plus que 12 équipes, dont 4 au Canada. Les rumeurs de fusion refont surface. À Québec, les Nordiques viennent de réaliser un léger profit pour la première fois. Mais leur avenir n'est pas moins précaire pour autant. En coulisses, O'Keefe et Labatte ajoutent à la problématique se disputant le privilège d'assurer la survie de l'équipe québécoise dans la vieille capitale. Finalement, c'est la brasserie O'Keefe qui sort gagnante de ce bras de fer grâce à l'intervention de Georges Labrecque, un Québécois, grand amateur de hockey. On est prêt à prendre le risque, hein? Puis, ça s'est avéré un risque formidable. O'Keefe a fait la proposition de tout racheter au prix coûtant. En deux mots, il remettait aux actionnaires leur argent investi et il prenait charge aussi de nos avances bancaires. Alors, on sortait, ni plus ni moins, sans perte, et avec quelqu'un de plus solide que nous pour continuer. Les Nordiques, selon Natacha, n'avaient pas le droit de s'absenter ou d'aller à l'extérieur de la ville de Québec. C'était clair et net. Il fallait qu'ils opèrent à Québec. Sur le strict plan du hockey, Richard Brodeur figure parmi les valeurs sûres des Nordiques. Saison après saison, il fait son boulot avec application, sans attirer les projecteurs. N'empêche qu'il est reconnu parmi les meilleurs gardiens du circuit, contribuant ainsi à bâtir la crédibilité de l'équipe.
Le gardien de but, Richard Brodeur, était là pendant les 7 saisons des Nordiques dans l'Association mondiale de hockey. Et on a vu plus tard, il a émergé dans la Ligue nationale, notamment avec les Canucks de Vancouver. Ça a été un joueur qui n'a peut-être pas toujours reçu le crédit qui lui revenait à Québec. La préparation de la campagne 76-77 provoque du mécontentement chez les partisans. On digère mal les départs de Réjean Houle retournant dans la Ligue nationale avec les Canadiens et de Dale Hogenson perdu aux Bulls de Birmingham. Inébranlable dans ses convictions, Maurice Filion veut bâtir une équipe vraiment à son goût. Il remplace l'entraîneur Jean-Guy Gendron par Marc Boileau, un motivateur qui vient de quitter les Penguins de Pittsburgh sans raison connue. Il greffe également 9 nouveaux joueurs à la formation québécoise, dont Paulin Bordeleau, Paul Baxter, André Boudria, Wally Weir et Gary Larivière. Marc Boileau et sa troupe accumulent les succès et confondent les sceptiques. Le 8 janvier 1977, il brise les dernières résistances lors d'un match disputé au Colisée de Québec contre l'équipe nationale soviétique et télédiffusé à la grandeur du Canada et en URSS. Un certain Ed Humphries, perdu dans l'anonymat après son exploit, éclipse le gardien vedette des Rouges, Vladislav Tretiak. Kurt Brackenbury se moque des bazookas Arlamov, Petrov et Mikhailov avec une prestation inoubliable de 2 buts dans une victoire étourdissante de 6 à 1. Cette journée-là, c'est Kurt Brackenbury, si je me rappelle bien, qui avait été le joueur par excellence du match. Il avait marqué 2 buts. Et si Kurt avait été un marqueur comme Buddy Cloutier ou Tardif ou quelque chose, je pense qu'il en avait marqué 5 ou 6. Lentement mais sûrement, toutes les pièces du casse-tête imaginées par Filion tombent à leur place au fil d'une saison qui a démarré dans l'incertitude. Les Nordiques atteignent le sommet de leur division avec 47 victoires et 97 points. Bien rodée, l'équipe québécoise élimine successivement Hartford et Indianapolis avant de se frotter aux Jets de Winnipeg en finale. Une série finale qui établit clairement la suprématie des deux antagonistes sur leur propre patinoire. Une 7e partie est effectivement nécessaire pour déterminer le gagnant de la Coupe AFCO. Mais la première période, c'était quand même assez serré, aller jusqu'à temps que Jean-Claude compte un but de la ligne rouge avec son formule lancée dans les airs. Il a fait 2 bons avant d'arriver au gardien. Réal Foutier qui remet à Jean-Claude Tremblay le tir. Regardant bien, attendant qu'il traverse la ligne rouge, juste au moment où il fait chez la ligne rouge, il fait le tir et définitivement la trajectoire de la rondelle. C'était un feeling extraordinaire, surtout que la foule était tellement animée. T'sais, les gens étaient réellement embarqués dans ça. C'est la première fois que les Nordiques avaient la chance d'aller au bout. Christian Bordeleau remet derrière à Réal Foutier qui manœuvre bien la passe. Sur une rondelle libre, mais bon, c'est pas facile. Tardif remet derrière à Gary Larivière qui lance. Et Marc Tardif là qui reçoit la coupe de monsieur. Un moment historique pour les Québécois. Et Tardif qui va faire un jour bonheur, bien sûr. Celle-là, c'est le bec. Avec la Coupe AFCO. Celle-là encore, là, quand je regarde encore, ça, c'est notre cadeau qu'on a eu. Puis je suis bien fier, je porte toujours ma bague. Je suis bien fier de porter ma bague. Et puis, ça a été réellement une année que jamais je n'oublierai. Hein. Mais je suis très fier de l'exploit qu'on a accompli à Québec. Et en 3e période, les Nordiques avaient pris une bonne avance. Alors, on entendait des bouchons de champagne sauter un peu partout dans les gradins. Et les gens trinquaient déjà, commençaient à célébrer la victoire des Nordiques. Moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est l'ambiance qu'il y avait dans le pays. Dès la fin de la 2e période, début de la 3e, tu sentais les bouteilles de champagne ouvrir, puis tout le monde chantait. T'sais, tu sentais que les gens étaient embarqués, puis c'est sûr que dans ce temps-là, quand tu as l'avantage de jouer chez vous, ça motive beaucoup plus le joueur.
ça criait d'un côté à l'autre des spectateurs qui commençaient à s'engueuler avec les journalistes, et particulièrement les journalistes de Montréal. On était quand même un peu connus là-bas, ils nous connaissaient nos faces et ils nous disaient toujours « Amenez-les vos Canadiens, on va y battre, la Coupe Stanley, il n'y a rien là. » À l'aube de la sixième saison, le circuit maudit ne compte que 8 survivants et la morosité est perceptible partout. Les rumeurs de fusion s'intensifient et les administrateurs des Nordiques sont déchirés par des querelles intestines. Le président du conseil d'administration, maître Jean Lesage, fait alors appel à un jeune avocat fringant de 29 ans, maître Marcel Aubut. Dans le temps de le dire, il devient trésorier et conseiller juridique de l'organisation. C'est lui qui négocie avec les bonzes de la Ligue nationale. Et là, ils ont dit, si jamais ils gèlent nos joueurs avec des contrats à long terme, alors qu'on ne s'est même pas encore repêché, eh bien, puis les jugements légaux nous confirmaient qu'on avait le droit de faire ça parce qu'ils avaient leur majorité, eh bien, c'était la fin pour eux autres. Ils ne pouvaient plus faire de repêchage espérer avoir le joueur à court terme parce que les gens de la MH les signaient à long terme. Donc, ils n'étaient pas disponibles pour la Ligue nationale. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à nous écouter avec attention. Sur la patinoire, les choses se compliquent avec les griefs qui s'accumulent contre Marc Boileau. Maurice Filion est d'ailleurs obligé de le remplacer lui-même derrière le banc, car l'entraîneur s'est mis les vedettes du club à dos lors de l'équipée de Moscou au tournoi des Izvestia. À Moscou, toutes nos victuailles, notre viande, nos boissons, notre bière au kiff avait été gardée dans un endroit. Et puis, il y avait eu quelques joueurs qui avaient été privilégiés d'avoir une caisse de bière, puis d'autres n'avaient pas eu. Alors, il y avait beaucoup de petits problèmes qui n'auraient jamais dû exister. Nous, on n'avait pas d'affaires vraiment dans ce tournoi-là. On disait que c'était un voyage de taupe. Puis après ça, bien, on s'en revenait, puis là, il fallait jouer sur la route une dizaine de jours. Finalement, l'esprit d'équipe avait été très miné. Chez les Nordiques, le gouvernail est dur à tenir. On se demande si le propriétaire est vraiment intéressé à continuer. Dans sa livraison du 29 janvier 1978, l'hebdomadaire Dimanche Matin crée une onde de choc avec un article percutant de Michel Lemieux sous la manchette « O'Keefe laisse-t-elle mourir les Nordiques ?» J'avais presque la conviction que c'était une patate chaude que la brasserie avait entre les mains. Et plutôt que vendre l'équipe ou, je ne sais pas, s'en départir d'une façon quelconque, c'est qu'elle avait décidé d'à peu près rien faire pour la soutenir. Alors moi, j'ai écrit un éditorial à ce moment-là qui disait que la brasserie O'Keefe voulait vraiment se débarrasser des Nordiques, mais d'une façon pas trop apparente, ce qui faisait que c'était le déclin, dans le fond. Alors O'Keefe aurait dit, bon, ben cette équipe-là est morte de sa belle mort. Au terme de la campagne 77-78, Marc Tardif remporte le championnat des marqueurs avec un total record de 154 points. Il est désigné le joueur le plus utile de la Ligue, mais les Nordiques glissent au quatrième rang du classement. En série éliminatoire, ils écartent Houston au premier tour, avant de s'incliner 4-1 en demi-finale devant les Whalers de Hartford. À l'automne 1978, l'Association mondiale de hockey agonise et le jeune Wayne Gretzky apparaît dans le décor des Racers d'Indianapolis. Les Aeros de Houston cessent leurs activités. Gilles Léger fait rager les propriétaires de la Ligue nationale. C'est la razzia des talents exceptionnels de 18 ans dont Michel Goulet qui l'enrôle chez les Bulls de Birmingham. Jacques Demers devient l'entraîneur des Nordiques, bon deuxième au terme du calendrier, mais rapidement éliminé en 4 parties par les Jets de Winnipeg dès le premier tour des séries d'après-saison. Globalement, les Nordiques ont remporté 2 championnats de division et une Coupe AFCO dans l'Association mondiale de hockey. Sur le plan individuel, plusieurs athlètes ont marqué le livre des records du circuit maudit. Le génial Jean-Claude Tremblay revendique 5 participations au match des étoiles et 2 titres du meilleur défenseur de l'AMH. Réal Cloutier a gagné 2 fois le championnat des marqueurs et obtenu 3 sélections sur l'équipe d'étoiles. Marc Tardif, avec 2 championnats des marqueurs, 2 sélections du joueur le plus utile et 3 sur l'équipe d'étoiles, a été le Nordique le plus prolifique. Il détient aussi le record du plus haut total de points en une saison, 154, et du plus grand nombre de buts en carrière, 316. Si les gars nous demandent aujourd'hui, c'est sûr qu'on aimerait faire de l'argent que les gars font dans la Ligue nationale, mais d'un autre côté, moi, je ne vis pas dans le passé, je suis bien content d'avoir passé dans le temps que j'ai passé, parce qu'on a eu tellement de plaisir. Ah oui, c'est un souvenir que jamais je pourrais oublier. Hein. Contrairement à la Ligue nationale, qui est un circuit d'affaires, l'AMH est une affaire de famille. C'est une affaire où tout le monde s'entraide, tout le monde s'aide.
Et c'était les plus beaux moments de ma carrière, l'Association mondiale. Ben, la MH, c'était une époque qu'on ne verra probablement jamais. L'entrée des Nordiques dans la Ligue nationale ramène au premier plan la question de l'unité canadienne. Vancouver, Toronto et Montréal sont parmi les opposants à l'adhésion d'Edmonton, Winnipeg et Québec. Le 8 mars 1979 à Key Largo, en Floride, les gouverneurs du circuit cherchent la solution. On attendait la fin de la réunion sur la petite place publique. La porte s'est ouverte. John Ziegler qui avait fait de ce projet-là, si on veut, son Mont Everest, qui était sûr de le réaliser, la fusion, la paix dans le hockey, pour lui, c'était le but ultime, est sorti de là comme un bœuf assommé. Il y avait eu un cinquième larron qui s'était joint aux quatre autres. Alors la fusion venait de tomber, mais c'était qui le cinquième larron? Mon troisième vote, là, on était capable d'identifier que c'était Courtois Grandmont du Canadien, que c'était Vancouver, que c'était etc. On savait exactement pourquoi. Puis là, on s'est aperçu que c'était vraiment tout le problème de Molson, de la télévision, des droits de télévision au Canada, de l'exclusivité, que c'était plus une question de hockey, c'était plus une question d'industrie du hockey, c'était devenu une question de bière. Deux jours après, Molson annonçait que les pourparlers de fusion reprendraient immédiatement. Et que cette fois, le Canadien se joindrait aux pros, aux colombes, et non aux éperviers. Et à ce moment-là, la fusion s'est faite, ça s'est fait très vite. Grand déblocage, le 30 mars 1979. Le président John Ziegler confirme l'adhésion de Québec, Winnipeg, Edmonton et Hartford à la Ligue nationale. Maître Marcel Aubut, héros infatigable de cette guerre de tranchées qui dure depuis 3 ans, reçoit un accueil triomphal qui frise le délire à son retour de New York. C'est à ce moment-là que Marcel m'a fait la déclaration, selon moi, la plus juteuse de sa vie. L'entrée des Nordiques dans la Ligue nationale, ça représentait pour Québec. Ça faisait que pour Québec une aussi grande journée que le jour où Jacques Cartier était débarqué. On voit un peu déjà le style du personnage. Et tout à coup, on s'aperçoit que, par grâce au fait que des fondeurs incroyables qui ont investi dans la MH, je ne savais pas trop ce qu'ils faisaient, mais quand même, sans eux, on n'aurait pas été là. On a pu trouver une porte pour entrer dans la fameuse ligue qu'on ne pensait jamais avoir accès un jour. La réalité de la fusion impose un véritable carcan au transfuge de l'AMH concernant les droits de télévision. Limités aux stations locales, ils sont frappés d'une interdiction de 5 ans sur le réseau national, donc privés des revenus inhérents. Conséquence de la guerre du houblon, cette clause fragilise la situation des Nordiques. N'étant pas liés à des intérêts concurrents, les équipes d'Edmonton, Winnipeg et Hartford bénéficient d'ententes promotionnelles de plusieurs millions de dollars avec la brasserie Molson. La restriction élevée comme convenu après la période de sevrage de 5 ans, au grand soulagement de Maître Marcel Aubut et des Nordiques. Le protocole d'entente concernant les droits sur les athlètes est très sévère pour les survivants de l'AMH.
Coincés par la fameuse liste prioritaire, ils sont limités à 4 joueurs, dont 2 gardiens de but. Mais les Nordiques jouent de ruse pour garder leurs meilleurs éléments, les Bernier, Tardif, Cloutier, et récupèrent aussi le contrat de Roddy Ftorek. De plus, la fanfaronnade de Michel Goulet, exigeant un contrat en français, du jamais vu dans la Ligue nationale, permet aux Fleurs de Lys d'en faire leur premier choix au repêchage amateur. Déjà aux commandes des Nordiques lors de leur dernière campagne dans la MH, Jacques Demers se passe à l'histoire comme leur premier entraîneur dans la Ligue nationale et réalise enfin son rêve. Tabarouette, hein, oui! Là, je devenais entraîneur de la Ligue nationale. En 79, j'ai 53 ans aujourd'hui. Alors, tu sais, c'est quoi? J'avais 33 ans, très jeune, un des plus jeunes entraîneurs de la Ligue nationale. Moi, c'était mon rêve. C'est un monde de découverte, finalement. Autant à Québec qu'à l'extérieur, les arénas, les adversaires, voir le noyau, le début, les premiers pas de l'équipe, en espérant qu'un jour, cette équipe-là remporte la Coupe Stanley. On avait une bonne équipe, un bon noyau, mais on n'était pas nécessairement d'un calibre pour jouer dans les nationales. Dans des revues, les années 50, Québec un jour dans la Ligue nationale. C'était arrivé. C'était arrivé. Ça me souvient de ça comme c'était hier. M. Lesage, M. Matt d'O'Keefe, M. René Lévesque, Ziedler et moi-même pour la mise au jeu. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas croire. En tout cas, moi, là, c'était comme... Ça se peut pas qu'on a pu réussir à être dans la même ligue que les autres grandes villes, qu'on va repêcher comme tout le monde, qu'on va pouvoir gagner une Coupe Stanley éventuellement. Alors, fallait se toucher pour y croire. L'atmosphère était assez tendue, notre premier match, puis Réal Cloutier nous avait dit avant le match qu'il allait compter 3 buts ce soir-là, puis qu'on allait, pour gagner le premier match. C'est tout un feeling, je vais être honnête avec toi, t'arrives dans la Ligue nationale, parce que nous, on est habitués dans la MH avec un certain style de jeu, puis on arrivait dans la Ligue nationale, c'est l'inconnu. Vers Tardif s'élance, son tir, et On ne savait pas du tout ce que ça représentait, ce que c'était pour nous, la Ligue nationale. Puis, justement, contre mon bon ami Daniel Bouchard, qui était le gardien de but. Elle va à Bernier. Bernier devant Hunker. À Cloutier. Et go! Trois buts ce soir-là. Alors, je pense que j'ai bien fait mon entrée dans la Ligue nationale. Ça a bien été. Cloutier encore. Tu débordes. Fulgurante dans la Ligue nationale pour cette jeune merveille qui est Réal Cloutier. Les gens, c'était l'euphorie dans la foule. Les gens ne voulaient pas quitter le Colisée. Les joueurs s'étaient déshabillés. Plus de tous, les gens étaient encore dans le Colisée. À l'endroit du Colisée, ça criait. C'est comme on avait gagné le Coupe Stanley. Malgré un départ intéressant, la première saison est difficile. Les blessures se multiplient et les Nordiques manquent de profondeur. Malgré tout, Réal Cloutier se démarque avec 89 points, dont 42 buts. Le gardien Michel Dion, mal protégé par une défensive en manque de ressources, passe l'examen avec distinction. 25 victoires seulement et le dernier rang de la division, évidemment, pas de série éliminatoire. Mais on a du fun, puis on donne un bon spectacle, un très bon show. C'est genre de Demers qui coach,
Il était un très bon instructeur. Il y a des tartiers, des cloutiers, c'est Frenchman. Il y a de la controverse en masse. Tout le monde se régale. On nous porte attention, on n'a pas le choix. De son côté, l'entraîneur Jacques Demers est confronté à toutes sortes de problèmes qu'il a lui-même engendrés par une déclaration intempestive au mois de mars, avec trop de franchise, peut-être. Ah, oh, que bien, ce qui est arrivé, c'est que moi, avec ma grande boîte, là, ce que j'ai dit, je le regrette un peu, on pense à rien. C'est parce qu'il y avait certains joueurs qui n'avaient pas donné ce que je pensais auraient dû donner comme maximum. Puis j'avais dit que tant ou si longtemps que certains journalistes vont protéger certains joueurs, on ne gagnera pas à Québec. J'avais dit ce que même du monde pensait tout bas, mais moi, je l'avais dit tout haut. J'ai toujours été franc, puis des fois, à franchir, ça peut te faire mal. J'avais dit à mon épouse, j'ai dit, je t'ai rendu au mois de mars, j'ai l'impression là, que c'est pas accepté par M. Aubu. Puis... En tout cas, on m'a laissé partir. Entrepris en mars 1980, les travaux d'agrandissement du Colisée se poursuivent à un rythme effréné. Tel qu'entendu, le bâtiment rénové doit être livré clé en main en décembre, après avoir fait grimper le nombre de sièges à 15 000. L'aménagement d'une couronne de gradins suspendus, de loges privées et la réfection des infrastructures d'accueil sont les principaux éléments du contrat financé par les fonds publics. Dans l'espace de quelques semaines, on avait réussi à avoir le premier 5 millions qu'on avait besoin sur une vingtaine. Après qu'on a eu le premier 5, le fédéral a suivi, la Ville de Québec a suivi avec M. Jean Pelletier qui était maire dans le temps, puis un autre 5 que tout le monde a ajouté après parce que les travaux ont dépassé un peu. Là. Puis on a eu à peu près 23-24 millions et ça nous a fait un colisée pour le moment qui était absolument très bien. Je suis arrivé à la conclusion qu'avoir un colisée de plus de 15 000 sièges à Québec présenterait des risques. Il fallait qu'on crée, je dirais, la rareté du billet. La façon qu'il bâtissait dans le temps, elle serait devenue hors série très rapidement par rapport à ce qu'on a besoin aujourd'hui. Alors, c'est une nouvelle bâtisse qui n'aurait pas répondu aux besoins d'aujourd'hui. Quand on regarde ça, le fait de l'avoir agrandi a été une bonne décision. Je me souviens, j'étais aux Olympiques en 1980 à Lake Placid et je voyais Gilles Léger avec son fameux cigare se profiler dans les coulisses des Jeux Olympiques de Lake Placid. Puis je demandais tout le temps à Gilles, tu es venu ici pourquoi donc? Je peux pas parler. Je peux vraiment pas parler. Personne n'a su qu'on avait essayé de les enlever à Lake Placid. Aux Jeux d'Olympique de Lake Placid, on aurait pu réussir, sauf qu'on n'a pas été capable de sortir leurs femmes en même temps. Donc, on avait un joueur, on n'avait pas de famille. On a fallu les laisser partir alors qu'on les avait. Au mois d'août 1980, le commando Obus Léger lance l'opération Autriche pour le rapt des frères Stachny. On a commencé la négociation là-bas. Quand j'ai vu que nous en intéressait, on a choisi Québec comme notre première choix, jouer dans la Ligue nationale. C'était la Coupe d'Europe à Innsbruck. On s'est sortis en pleine nuit. On a conduit l'automobile dans les Alpes alors qu'il pleuvait pour s'en aller le plus vite possible à Vienne, en Autriche, dans l'ambassade du Canada, pour avoir la protection de notre pays. Une des raisons pourquoi on a choisi le Nordique, parce qu'on savait qu'on a beaucoup, beaucoup de bons joueurs. Quand je regardais, parce que comme bon joueur de hockey, je suivais la Ligue nationale, Ligue mondiale, quand je regarde les meilleurs joueurs, c'était toujours Marc Tardif, Réal Cloutier, Robby Ftorek. Je compte ça à mes enfants, puis on dit que tu étais irresponsable, absolument irresponsable. On s'est fait courir après nous avec des bâtons de baseball pour tenter de nous assommer, etc. Alors, c'était ridicule, la père de famille allait faire des affaires de même. Ça n'avait pas aucun bon sens. Autant pour le jeu que pour moi, c'était... Mais il fallait tellement, on voulait tellement gagner. On voyait tellement de sources, là, de raccourcis pour pouvoir être compétitif plus vite que prévu. Il fallait être Marcel Aubu, puis Gilles Léger, puis avoir le caractère que ces gens-là avaient. Il fallait être un peu désespéré d'avoir des vedettes aussi. Il fallait les sortir, les amener ici.
Maurice Filion en est à sa 9e année de contrat avec l'organisation québécoise quand il revient derrière le banc au début de la 2e saison des Nordiques dans la Ligue nationale. Michel Bergeron, l'ex-entraîneur des Draveurs de Trois-Rivières, est son adjoint. Mais dès le premier long voyage de l'équipe en octobre, Filion surprend tout le monde avec une décision qui change radicalement et à jamais l'image des Nordiques. Lorsque je suis arrivé dans sa chambre, il m'a dit « Je viens de prendre la décision que je t'avais dit. » Je dis « Ah oui, tu fais une transaction? » Il dit « Non, non. » Il dit « Je t'offre le poste d'entraîneur-chef. » Et là, ça a été le coup de massue épouvantable. Je crois que c'était pour le club quelque chose de très, très bien. Michel a apporté de la crédibilité. Sur le côté PR, il était visible pleinement. Donc, c'était vraiment important, puis c'était vraiment plaisant. Les choses sont loin d'être faciles pour le petit Tigre, qui savoure une première victoire comme entraîneur-chef à son 10e match seulement. Au Colisée, les huées de la foule deviennent rapidement insupportables. Le 11 décembre, après le 4e but des Bruins, Michel Dion abandonne son filet sous les regards incrédules. J'étais avec André Dupont à la défense, puis là, à un moment donné, on était en désavantage numérique. Et puis, on avait chacun un homme devant le but. Boston, il y a un lancé de la ligne bleue, puis on se fait contre un but. Mais on n'a pas vu la rondelle rentrer, puis là, on voit Michel Dion qui part. Puis moi, j'ai essayé de l'arrêter, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il devait retourner devant le filet. Il voulait pas. J'allais changer pour Michel Place à l'époque. Puis lorsque je suis revenu dans le vestiaire, je crois que c'était après la deuxième période, lui, il dit « Tu joueras plus jamais pour les Nordiques de Québec. » Le coup de théâtre de Michel Dion permet à Filion de réaliser la meilleure transaction de sa carrière. Le 27 janvier 1981, Daniel Bouchard débarque à Québec en retour de Jamie Hislop. Incroyable! Bouchard remporte 19 victoires et annule à 5 reprises en 29 parties. On était une bonne équipe, mais avec l'arrivée de Daniel, qui était un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale dans le temps, nous a donné vraiment de la crédibilité et a montré à tout le monde que cette équipe-là pouvait jouer contre n'importe qui. Daniel nous a vraiment donné le statut de club majeur. Quand j'ai arrivé à Québec, c'était un regain de vie, une nouvelle vie, et puis tout a reparti pour le mieux, et puis... Comme on sait le récent de l'histoire, tout le monde en a bénéficié. Ça a été bon pour moi, c'était bon pour le club. On avait une bonne équipe offensive, certains problèmes en défensive devant le filet, de sérieux problèmes. Et Daniel Bouchard a été un gardien de premier plan pour au moins 3 ans avec les Nordiques. Que j'avais beaucoup de glace. Michel Bergeron avait confiance en moi. Je veux dire, je jouais ses jeux de puissance, je tuais punition, je jouais sur ma ligne régulière. Mentalement, j'étais vraiment prêt parce que quand j'étais arrivé à Québec, il m'avait vu que la fin de saison que j'avais faite quand j'avais été changé, j'avais connu une bonne fin de saison, puis j'avais été blessé par après. Et dans les journaux, au commencement de la saison, il avait dit, je me souviendrai tout le temps, est-ce que ça a été juste un feu de paille cette fin de saison-là? Fait que c'était quelque chose qui m'a motivé. Peut-être pas de dire de scorer 52 goals, là, mais j'étais vraiment prêt pour la saison. Inspiré par Daniel Bouchard et le feu d'artifice de leur tireur d'élite, Jacques Richard en tête, les Nordiques enregistrent 30 victoires et 78 points de classement pour se faufiler dans les séries éliminatoires. Hunter ensuite, bel esprit d'Hunter, et le but! Il le méritait, Cole. Elle est sur la tête, la main, le pied, et le but! Jacques Richard, vers Hunter, Hunter prend des choses, et le but! Et Hunter! Il s'incline cependant à 5 parties devant les Flyers de Philadelphie dès le premier tour.
Il n'a jamais vraiment pardonné de ne pas avoir été du groupe. Il avait toujours pensé que jamais qu'ils auraient sauté de la clôture sans être tous et trois ensemble, parce qu'ils ont fait leur vie tous et trois ensemble. Imaginez-vous trois frères, un à gauche, un au centre, un à droite. On voudrait imaginer ça dans le plus beau des rêves, ça ne marcherait pas. Je suis en enfer que je jamais pensais que ça peut arriver, surtout quand j'ai rien avec le départ de Peter de Anton. Je me suis dit, si je ne suis pas capable d'organiser, je ne suis pas un vrai homme. Et je commençais à préparer certaines affaires et ça a pris à peu près trois semaines. Dans trois semaines, j'ai organisé tout. J'ai juste donné instruction à mon épouse comment elle doit se comporter, qu'est-ce qu'elle doit dire. On a réussi. C'était le moment que je ne vais jamais oublier parce que, d'un certain côté, je me sentais coupable, responsable pour tout ce qui arrivait. Ça arrivait avec lui parce que lui était suspendu en Europe, il ne lui pas permettait de jouer. Quand il est arrivé, je me sentais que quelque chose, que le grand piano est sorti de mes épaules. Avec le trio des Stachny, les Cloutier, Tardif, Richard, Goulet et compagnie, l'offensive des Nordiques est tout simplement terrifiante. La défensive, relativement jeune, montre de plus en plus d'aplomb, rassurée par un Daniel Bouchard au summum de ses moyens. La probabilité d'affronter les Canadiens lors des séries éliminatoires incite les Nordiques à se donner du muscle et ils vont chercher Wilfried Paiement à Toronto. Mais en allant chercher Paiement, ils se sont donné finalement ce gros allié capable d'intimider l'adversaire. Et ça a donné éventuellement une troisième ligne au Nordique, je me rappelle bien, avec André Savard et Tony McKechnie. Une ligne qui marquait des buts à profusion alors qu'elle devait être une ligne défensive. Il y avait une très bonne équipe. Il y avait des bons joueurs. C'est la seule affaire qu'il y avait peut-être qui manquait un peu de caractère. Et puis, peut-être des joueurs qui avaient de l'expérience en nationale. Une série qui a donné aux Nordiques la crédibilité, où tout le monde a ouvert les yeux et on a dit, bien, on est vraiment dans la Ligue nationale, et où tout a changé pour nous, notre organisation. On est parti d'une organisation qu'on croyait ordinaire, puis on est devenu parmi les meilleures organisations. La série, eh bien, il y avait un mot qui s'est donné. On peut gagner, on peut gagner. Et puis même les joueurs des Canadiens, quand on disait ça, on va gagner, on va gagner, on se disait sur la glace, les gars nous regardaient. Et puis après un bout de temps, on a semé un doute chez les Canadiens. We had a 2-0 lead going in the game, but Michel Bergeron played a couple lines. You know, we were tiring a little bit, you know. So they tied it up 2-2, and we went into overtime. Je me souviens encore après la troisième période,
lors de l'entracte. Moi, j'avais trouvé, à un moment donné, que la supplémentaire avait commencé tout de suite. T'sais, on était brûlés, on avait joué pratiquement quatre défenseurs. Michel, let's go after it, get it early, and get as quick as you can. And 22 seconds into the overtime, I was lucky enough to get a rebound off the backboards to stuff it in. We upset them. You know, we played hard, and it was pretty exciting for the city of Quebec. Mais lorsque j'attendais Dale Hunter, puis je l'avais pris dans mes bras, puis il m'avait serré, puis j'étais donc content. En plus, c'était Dale qui avait compté. Puis après ça, ben, Marcel Aubu qui était près du banc, Maurice Filion, Martin Madden. On formait une sacrée belle famille. Dans le forum, là, c'était le désespoir. Toute l'enceinte du forum a figé d'un coup. Non, ça nous a fait mal. Cette série-là en 82, ça nous a fait mal. Ça nous a blessé énormément. Les gens ont mis, là, au moins, je dirais peut-être un gros 10 à 15 secondes avant de réagir à ce qui venait de se passer, là. Personne ne s'attendait à ça. Une surprise et une énorme déception pour le public de Montréal, qui est resté un peu éberlué. Ça se pouvait pas que Québec vienne sortir le Canadien des séries éliminatoires. Ça avait été très difficile à prendre, mais on était battus quand même par une équipe qui était meilleure à ce moment-là. La série contre les Canadiens a littéralement épuisé les Nordiques, mais les Bleus sont gonflés à bloc contre les Bruins de Boston, coriaces comme toujours. Étincelant en relève de Daniel Bouchard, victime d'une intoxication alimentaire après la première partie, John Garrett pousse la série à la limite. Encore Peter Stachny qui était sur l'aile à ce moment-là. Il avait remis la rondelle, je lui avais remis encore une fois, il me l'avait redonné. J'avais pris un lancer des poignets de la pointe et puis il y avait plusieurs joueurs devant le gardien de but. On avait réussi à marquer à ce moment-là. Il restait quand même 6-7 minutes à jouer certains en troisième période. Les Nordiques accèdent à la finale de conférence pour la première fois de leur courte histoire. On parle de plus en plus de cette équipe québécoise fleur-de-lysée qui émerge parmi les meilleurs. Mais leurs adversaires, qui forment déjà une dynastie avec les Potvin, Bossy et compagnie, les renversent en quatre parties. Les années s'écoulent rapidement et les quatre premières saisons des Nordiques dans la Ligue nationale marquent déjà un cycle important de leur trop brève histoire. À l'été 1983, Marc Tardif et André Dupont annoncent leur retraite. Réal Cloutier est échangé à Buffalo en retour d'André Savard, Tony McKegney et Jean-François Sauvé. Cette année, il y a eu un changement de garde qui s'est fait lorsque les Stachny sont arrivés, Goulet et compagnie. Puis j'ai regardé au bout du vent, il y avait Marc Tardif, Serge Bernier, Réal Cloutier. Puis ce soir-là, ils avaient quasiment pas joué. Je disais, tabasse là, avec un beau salaire au bout de l'aide du bain. Puis si tu laisses à peu près 125-130 buts par année sur le bout du bain, moi, j'étais bien content.
faisait pas non moins l'affaire de m'en aller parce que j'aurais pu tenir mon bout encore un bout, mais je pense que j'ai pas eu tellement le choix dans ça. Et elle semblait pas tellement heureux avec l'organisation. Je vois beaucoup moins. Et lorsqu'on fait un échange, on essaye aussi d'aider l'équipe et le joueur, essayer d'aider les deux, ce qui est l'idéal. Et c'est la raison pour laquelle on a échangé Réal. On a figuré peut-être ailleurs, il va jouer beaucoup mieux, peut-être ça va y aider. Et puis nous autres, on avait besoin aussi d'un changement. Nous autres, on était dans l'ancienne gang, la vieille gang. Et puis, ça a été des périodes difficiles. Là. Je dirais en 81, 82, puis en 83, moi, je suis parti en affaires. Puis là, j'avais hâte de terminer. On l'a mis à la retraite, Marc Tardy. On lui a organisé une belle fête ici. Et on avait décidé que c'était assez. De 81 à 87, oui, évidemment, là, peut-être qu'il va, avec quelques variantes, moi, c'est le meilleur hockey que j'ai vu de la Ligue nationale à Québec. C'était le hockey le plus spectaculaire, le hockey le plus inspiré. When we go to a game, we knew that we're going to score goals and have a lot of fun playing an offensive game. And they were, like you said, Peter Stastny and Goulet, you can go down through the list. We had a lot of guys that were going to be Hall of Famers. C'est incomparable. L'esprit qui était créé par plusieurs joueurs qui n'a pas cherché domination dans le vestiaire. Ils ont plutôt cherché ou se demandé qu'est-ce que je peux faire pour l'équipe pour qu'on va vraiment gagner, on va jouer mieux. On s'adonne bien les anglophones et les francophones. Après avoir fait partie du club de Boston et du club de Buffalo, je pense que ça a aidé, le bon mix. On avait des anglophones qui aimaient jouer à Québec. Mon troisième trio à l'époque, Savard, McKechnie et Paiement, pourraient jouer, je pense, sur le premier trio dans une dizaine d'équipes de la Ligue nationale et peut-être le deuxième trio dans les 10 autres. On avait une très bonne équipe. On avait des jeunes joueurs qui montaient aussi, comme Rochefort, Pichette, Alain Côté. On avait une très bonne équipe. La seule affaire qu'on n'a pas été capable de franchir les Islanders dans ce temps-là. En zone adverse, il a remis à Mark Campbell. Campbell est attendu par Ludwig. Et là, c'est autre remis. Le côté, qui court! Lorsqu'on parle des Nordiques, on ne peut pas oublier Alain Côté. Hein, parce qu'Alain Côté, ça a été un vrai... dans tous les matchs, même des matchs difficiles sur la route, lorsque j'avais besoin d'un joueur robuste, lorsque j'avais besoin d'un changement, enlever un joueur offensif pour remplacer par un joueur plus costaud, plus défensif, c'était Alain Côté. Peter et Anton sont arrivés la première année. On se retrouvait avec, un premier trio supplémentaire dans l'équipe. Et puis, en plus, après ça, il y a Marianne qui est arrivée pour renforcer l'équipe encore plus. Alors, on se retrouvait avec trois joueurs de très haut niveau qui viennent de se rajouter comme ça. C'est rare que ça arrive. Ça. Et dans le cas de Peter Stastny et Anton, les Nordiques allaient chercher deux joueurs pas au sommet de leur carrière, mais en pleine possession de leurs moyens. C'était des machines à développer incroyables. Surtout Peter Stastny, on l'a vu par la suite.
Peter Stachny, à mon avis, dans toutes les années dans lesquelles j'ai joué dans la Ligue nationale de hockey, aura été... moi, je le classerais parmi les 10 meilleurs joueurs contre lesquels j'ai évolué dans la Ligue nationale de hockey. Non seulement par son talent, mais parce que Peter Stachny s'est rendu parmi les grands en raison de sa force mentale et de son désir de vaincre. Essayer de contrôler le rondel, contrôler le jeu, parce que je croyais dans ce temps-là et je crois encore. C'est lui qui contrôle le rondel, c'est celui qui contrôle le match. Moi, je n'ai jamais accepté faire les choses deux fois de la même façon. J'essaie toujours de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus intéressant et pour qu'on n'ait pas vraiment connu. Pour l'adversaire. En plus, on a appris à cause qu'on a sait où on va aller et quand. On a essayé d'aider un autre, en bloquer, préparer d'espace, confuser l'adversaire, plusieurs façons. On n'a jamais pratiqué de façon comme la machine. Il faut faire ça comme ça, comme ça. Non, ça arrivait naturellement sur les glaces. On a parlé avant le match ou pendant l'entraînement. Moi, je vais dans cet endroit à peu près. Juste jette le coup d'œil. Si je suis là, fais le pass. Tu peux compter sur moi. Ou si tu es dans difficulté, laisse la rondelle à peu près là-bas. Je vais contrôler cet endroit. Peter was a great all-around player, you know, passer, scorer. He could do it all. Anton was a good scorer with Peter. Tic-tac-toe, passing the puck around. It was people in Quebec were, you know, you don't want to say lucky, but they were, you know, fortunate that they got to see great players like that play, passing the puck around. And you know, I was on the bench and I enjoyed watching. Je me considère vraiment béni d'avoir l'occasion de jouer avec mes frères. Premier choix au repêchage de 1979, Michel Goulet fut un joueur d'impact pour les Nordiques. Parmi les ailiers gauches les plus prolifiques de la Ligue nationale, il a complété au moins 7 campagnes avec plus de 40 buts et 4 avec plus de 50, dont un sommet de 57 en 82-83. Michel, un superstar de la Ligue nationale, à l'aile gauche, un très bon compteur, un bon joueur d'équipe. Michel, à ce moment-là, il était toujours à son meilleur lorsqu'il affrontait le Canadien de Montréal. On sait que Michel était un patineur extraordinaire, avait un lancer foudroyant, avait un sens inné pour marquer des buts. Et contre nous, il le faisait toujours à la perfection. Tout ce que je peux dire de Michel Goulet, c'est un autre grand joueur probablement qui va être dans le temple de renommée et puis peut-être été malchanceux sans gagner la Coupe Stanley. Véritable bougie d'allumage, Dale Hunter a été l'un des joueurs les plus appréciés des partisans des Nordiques durant les belles années des Fleurs d'Élysée. Surnommé la petite peste pour le cran et la combativité exceptionnelle qui animait son instinct de bagarreur infatigable. Dale Hunter a été le héros de plusieurs grandes batailles, à jamais inoubliable. C'était un joueur qui dérangeait l'adversaire sur la patinoire. C'était un grand compétiteur, un fier compétiteur. Et à l'intérieur du vestiaire, c'était le petit gars. C'était le gentilhomme. C'était celui qui était près de tous les joueurs. Ça ne veut pas dire nécessairement parce qu'on n'aime pas quelqu'un lorsqu'on joue contre qu'on n'aimerait pas l'avoir avec nous. Et je pense que Dale a été lui aussi un joueur vraiment là, extraordinaire pour les Nordiques. Et je pense que lorsque Dale est parti de Québec, c'est comme une partie de l'âme des Nordiques aussi qui a parti en même temps parce que Dale a vraiment marqué l'histoire des Nordiques. Et c'est bloqué par Penny.
Ça n'a pas pu attirer probablement un succès physique. À l'occasion, j'arrivais dans le vestiaire, puis j'adèle. C'est quoi le problème? Tu te penses un grand joueur? Puis là, ça le fâchait un petit peu. Puis j'avais pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Il aimait le hockey, il aimait s'entraîner, il était le premier à l'entraînement. C'était le joueur modèle. Le gars qui était capable de faire tout, tout pour que l'équipe réussisse. Michel, c'est un entraîneur qui, comme on dit, qui voulait avoir le contrôle, qui demandait le contrôle. Naturellement, c'était un gars très émotif, un gars qui demandait beaucoup de ses joueurs, mais très émotif, et puis qui montrait beaucoup de dynamisme derrière le banc. Avec lui, je sais que il a fait d'alignement, mais c'était bon peut-être pour première période, peut-être pour premier shift. Parce que souvent, c'est changé. Je dis, pourquoi tu penses autant, il fume, il pensait. Pourquoi tu penses autant, fume autant? Souvent, changer l'aliment après le premier shift. We took it to heart, losing and winning. So, me and him kind of the same type of person, I think. And sometimes we get in trouble for it. Du fait qu'il y avait l'arbitre à sa portée pour stimuler ses gars puis brasser un peu la cage. On pouvait entrer dans son bureau le jour d'un match. On pouvait jaser. Il nous indiquait jamais la porte. C'est nous autres qui, à un moment donné, à court de questions, s'en allait ailleurs. Michel Bergeron, vous l'aimiez ou vous le détestiez? Je pense qu'il n'y avait pas de juste milieu. Avec lui, il n'y a pas tellement de place pour l'indifférence. Michel était le personnage le plus populaire des Nordiques pendant des années de temps. Il a soutenu la popularité des Nordiques. Écoute, Michel Bergeron, d'après moi, c'est le meilleur entraîneur de l'histoire des Nordiques. Alors, on va mettre un point clair à ça, là. C'est mon opinion et j'y crois. La rivalité canadien-nordique s'accentue. Le ciel du Québec se colore en bleu ou en rouge au gré de la partisanerie. Les risques d'explosion sont palpables aux deux extrémités de l'avant. Ça nous faisait sortir des bonnes games de notre système. Puis il fallait que tu sois demain parce que eux autres, Montréal, c'était la même chose, je suis sûr. Et je pense que c'est cette sorte de rivalité qui se transigeait sur la patinoire, dans l'esprit des joueurs. Je pense que c'était une raison pourquoi les joueurs répondent avec vraiment beaucoup plus d'émotions. Lorsque tu sais que tu jouais le samedi soir contre le Canadien, ça commençait à en parler le mercredi, le jeudi, le vendredi. Alors, c'était réellement spécial pour les joueurs et puis tout le monde au Québec. To his war, it was like war. Everybody was had their people backing them and other people backing them. So it was pretty intense, and you know, it was a lot riding on every game you played. Encore Stanley à tomber. Et le petit Stanley qui a fait dévier la rondelle par-dessus le gardien qui s'est. Ils ne pouvaient pas, les autres, se permettre une seconde de répit
Jamais. Parlez-en à Serge Savard, parlez-en à M. Corré. Et en réalité, la vraie rivalité, elle se bâtissait avec les éliminatoires. Et les gens se rappelaient l'année suivante de ce qui est arrivé dans les éliminatoires de l'année précédente. Il y a eu des séries acharnées, gagnées des deux bords par les deux équipes. Québec a éliminé Canadiens, Canadiens a éliminé Québec. Et ça, c'était extrêmement bon, si vous voulez, pour le hockey en général, pour le hockey au Québec et les bonnes discussions de famille. Des journalistes, moi, je peux vous dire une chose, que c'était pas toujours rose non plus. Ça s'engueulait, ça. Disons que des fois, l'objectivité nous a pris un coup, là. Les journalistes faisaient leur travail, ils couvraient un club de hockey, sans plus. Ça dérangeait personne. Mais quand les Nordiques sont arrivés, hop, les journalistes de Montréal étaient des fans, les journalistes de Québec étaient des fans. Moi, je me souviens d'une journée au Journal de Québec où, en préparation d'un match, on avait quelque chose comme 8 pages sur le match en question. Et en première page, ce qu'on voyait, c'est la guerre du silence, 8 pages. Alors, imaginez si on avait parlé. Tu sais, du côté médiatique aussi, c'était grandiose. Écoute bien, sur les galeries de presse, entre eux, ils pensaient proches de se battre entre les journalistes de Montréal et de Québec. La radio, c'était pareil. Alors, c'est tout ça qui faisait que la beauté de ces matchs-là. Voir les joueurs malades pendant les meetings d'avant-match, de partir en course, aller aux toilettes, les joueurs qui avaient beaucoup de difficultés, même à dîner, le somme de l'après-midi, oublions ça. Moi, j'arrivais ici vers 4h, 4h15 de la journée du match, il y avait déjà 7-8 joueurs d'arrivée. You never knew what was going to happen in a Montreal-Canadian game. There could be 10 goals, there could be 10 fights. Everybody knew that it was going to be a great game. Il n'y a pas de doute que pour nous autres, les joueurs locaux, ça nous transportait beaucoup et je peux te dire que Montréal va nous haïr, on les haïssait tout autant. Il y avait tellement de monde qui venait de la région de Québec, qui venait à la brasserie durant l'été, quand Canadiens, nous, on se faisait éliminer contre les Nordiques. Et là, le monde venait à la brasserie, puis tirait à pipe et tout le tralala, ah, Tremblay, on est plus fort que vous autres, et ainsi de suite. Mais par contre, lorsqu'on battait les Nordiques, par contre, il y avait moins de monde un peu qui venait. Alors, du côté économie pour la brasserie, des fois, c'était mieux quand qu'on perd contre les Nordiques. Le point culminant, ça a été quand Jacques Lemaire est devenu entraîneur du Canadien. Et là, ces deux-là se détestaient tellement que tu pouvais poser une question à Jacques Lemaire, prendre la réponse, aller dans le bureau de Michel Bergeron, lui dire « Écoute ce que le maire a dit de toi », et là, Bergeron explosait, et pour nous, mais c'était la manchette du lendemain. On saillissait vraiment. J'imagine que si on s'était rencontrés dans le garage après un match, il y a quelque chose qui aurait pu arriver, ça c'est sûr. Non, vous ne reverrez jamais une rivalité comme celle canadien-nordique. Mais c'est là qui tire au moment où la période connaît fin et en même temps, c'est Dale Hunter qui est aux prises avec eux. Carbonneau. Là, on peut avoir du danger, il y a des équipes pour tout la patinoire. Et c'est Nalette qui se jette sur le mont-là. C'est Vigny qui est mêlé à tout ça. Oui, on a le chat. La Suède n'a l'air moins dégagée. Et finir par objectif. Oh! Le coup de poing de Slinger vient de surcouter celui qui s'interposait comme Slinger et Hamel. Oui, oui, oui. Et tout semblait terminé lorsque cette gauche est sortie. Jean Hamel did something to Louis Slager the night before in Quebec City, and that was sort of a payback. And it wasn't really right what he did, and you know, I didn't expect that because Jean and Louis were very good friends. T'sais, en raison de la passion, en raison de la folie, en raison du vouloir, de vouloir gagner à tout prix, ça arrive, ces choses-là. À un moment donné, il faut, faut, faut,
faut que la ballonne pète, puis elle a pété ce soir-là. Malheureusement, là. Une erreur quand je prends Mario avec son maillot par ici au lieu d'éliminer ses mains. Et je le gardais. Et dans un moment, on s'est poussé, dans un moment, poum, un sucker punch directement dans mon nez, je casse mon nez. No one really got hurt. It was just a bunch of guys fighting on the ice. But it was in the playoffs. It was a heated motion and we fought once at the end of a period and then we just dropped our gloves out as we came on the ice to start the next period. So people still remember that, I bet, though. C'est encore Mark Hunter, lui, qui n'a pas oublié le geste que Slager a posé devant. Et là, ici, c'est Sévigny qui se rue sur Dale Hunter, celui avec lequel il avait voulu se bagarrer juste auparavant. Et c'est Mark qui fait que tout ça n'a pas été oublié. Un peu plus loin maintenant, c'est au numéro 28, avec Jean Hamel. Là ici, c'est devenu pire qu'auparavant. C'est beaucoup plus violent. Là, Doré ici qui... s'amène sur deux combattants. Essaie de... Et là ici, Peter Stastny qui était chassé du match, qui est retenu par la fleur. Il n'y a pas moyen de les identifier. Là, c'est un plongeon de Mark Hunter qui s'est jeté sur son frère. On aura tout vu. Mais c'est facile à trouver à qui donner le blâme. C'est très, très facile. C'est la Ligue nationale. Alors aujourd'hui, il y en a qui ne se rappellent pas. C'est la faute à Bergeron, c'est la faute à Lemaire. C'est pas vrai. C'est qu'il y a eu une bagarre. D'abord, le tout a commencé. Là, j'entends encore des gens dire que ça a commencé avec Mario Tremblay, avec Peter Stastny ou Louis Slager avec Jean Hamel. C'est pas vrai. Ça a commencé, c'est Randy Muller, Chris Nyland, dans le coin de la patinoire. Peter Stastny, 5 minutes pour s'être battu et inconduite de partie. Bruce Hood a été celui qui en a payé le prix. On l'a congédié immédiatement. Après, il n'a plus jamais arbitré un match en Ligue nationale. Bruce n'est pas le responsable, l'unique responsable. Lui se retrouve, après cet premier incident-là, avec un paquet de décisions à prendre, des punitions à donner, des expulsions de match. Puis il se retrouve avec aussi la direction de la Ligue dans le vestiaire avec lui. Il disait, ah oui, voyons, ça fait assez longtemps qu'on attend. Ah oui, décide tout ça, puis fais ça vite. Au cours de l'été qui a suivi, je pense que les journalistes ont réalisé à quel point on allait trop loin. Et là, on s'est dit, permets-moi l'expression entre guillemets, c'est juste une game. Pourquoi est-ce qu'on s'enflamme comme ça? Pourquoi est-ce qu'on perd les pédales? Mais on a réalisé aussi qu'un match canadien-nordique, ce sera jamais juste une game. La bataille pour la suprématie de la flanelle ou du fleur-de-lysée continue d'alimenter les passions au Québec en 84-85. Premier au classement, les Canadiens devancent les Nordiques par 3 points et les hostilités reprennent de plus belle dès le deuxième tour des séries éliminatoires. Le 2 mai 1985 au Forum, 7e et dernier affrontement d'une série fertile en émotions. Après les 3 périodes réglementaires, le pointage est égal. La prolongation s'impose. Les spectateurs, sur le bout de leur siège, sont assommés quand Peter Stastny marque le but vainqueur. J'ai vraiment apprécié parce que j'ai compris très bien qu'est-ce que la rivalité entre les Canadiens et Québec veut dire, quoi, combien c'est important pour les amateurs à Québec.
Et mon seul regret, là, c'est que dans nos deux éliminations contre les Canadiens, on ne les a pas éliminés à Québec, chez nous, dans notre Colisée, avec notre monde, et dès vous autres, c'est pas arrivé, on les a éliminés deux fois au Forum. Pris d'assaut par des partisans euphoriques aux premières heures de la nuit, l'aéroport de Québec explose de joie pour saluer le retour des valeureux conquérants nordiques. Libérés de l'emprise du tricolore, les Nordiques ne sont pas au bout de leur peine pour autant. À l'étape suivante, les Flyers de Philadelphie les attendent de pied ferme et les obligent à rendre les armes en six parties. Les Nordiques gagnent leur premier championnat dans la Ligue nationale en 85-86. Les connaisseurs voient en eux des aspirants logiques à la Coupe Stanley. Mais les Whalers de Hartford sont le premier obstacle sur leur route. Il y a loin de la Coupe aux lèvres, et les Whalers de Hartford ont vite fait de ramener les Nordiques sur terre en trois parties seulement. Québec est l'hôte du match des Étoiles en 1987. Véritable festival du sport, des arts et de la culture, Rendez-vous 87 est un happening d'une envergure inouïe. Le Panthéon du hockey déménage sur la Grande Allée, le cœur de l'Armée rouge et une pléiade d'artistes internationaux font vibrer les murs de la vieille capitale. Sur la patinoire du Colisée, on a réuni l'élite mondiale du hockey avec, entre autres, Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Michel Goulet et Raymond Bourque, confrontés aux meilleures étoiles soviétiques. On remet à Tikkanen dans le tir. Il rate considérablement le but. Ensuite, c'est Gretzky. Et le but! Ensuite, un peu plus loin, Kofetizov et l'arrêt de Grant Fuhr. C'est un jeu qui lui revient. Bourque toujours. À Wilson maintenant. Pour Gretzky. Et... son coéquipier. Le système conventionnel de partie des étoiles, aucun intérêt là-dedans. On va en faire une à notre goût. Alors, on a fait un événement international. Mario Lemieux avait gagné sa propre mise de jeu ensuite. Voilà, Claude Lemieux. Peut-être une des véritables premières fois où les gens de hockey se sont rendus compte que la partie d'étoiles, c'était un événement. La saison 86-87 est difficile pour les Nordiques. Distraite par le fla-fla de Rendez-vous 87, l'équipe ne joue même pas dans une moyenne de 500. Il y a eu comme un désintéressement ou une espèce de relâchement qu'on ne s'est pas aperçu tout de suite. Tu vois ça plus tard, hein? Et qui a fait que vraiment on a nuit à l'évolution, à cette adrénaline-là qu'on avait dans le développement de notre club. À la ligne bleue, il a remis à Jeff Brown. Et le but! Dans les séries éliminatoires, tout peut arriver. Les Nordiques en font la démonstration en balançant les Whalers de Hartford dans six parties pour accéder à la demi-finale contre les Canadiens. Une passe pour Picard, il a fait dévier. C'est Picard qui fait dévier. Le retour récupéré par Wallace. La passe à Sylvain Côté. Qu'est-ce qu'il a raté comme chance? Et le but! Francis! Précieuse pour les siens, mais voilà une attaque dangereuse. Le tir, le but!
fantômes légendaires du Forum ont-ils eu une influence quelconque sur la suite des événements? Seul l'arbitre Terry Fraser pourrait le dire. À déjouer Patrick Roy dans le coin gauche. Et de l'autre côté, voilà l'échappée de O'Brien qui a un bon tir et le but! Jean O'Brien! Un beau lancer, une rondelle qui était mal contrôlée. Gingras a eu peu de chance, mais a travaillé d'une. Eh bien, on a une réaction de Perron ici. Ils sont en étiré avec l'indiscipline en deuxième période. De mal en tête. De l'autre côté, c'est Goulet, précédé par un rival, Gingras. Et ensuite, le but! Reportons-nous au cinquième match quand il refuse le but d'Alain Côté. Ces gestes d'obstruction-là étaient monnaie courante dans le hockey. Ça se produisait régulièrement. Et à moins que ce soit extrêmement, extrêmement flagrant, on ne pénalisait pas. Alors, dans ce sens-là, oui, le but d'Alain Côté était bon. Ben oui, le but d'Alain Côté était bon, ça c'est certain. Le but d'Alain Côté, c'est une autre tâche. Là. C'est encore une fois, tout le monde aujourd'hui, ah, les Canadiens de Montréal, encore la cassette, puis ils disent que le but n'était pas bon. Le but était bon. Évidemment qu'il était bon. C'est... Comme je répète, c'était l'arbitre qui n'était pas bon. Mais là-bas, Carey Fraser a pris une décision que peut-être un ou deux arbitres dans la Ligue nationale auraient pris. On avait une tendance à laisser passer ça. Ouais, un petit peu d'obstruction au gardien de but. Ouais, même si on y touche un petit peu pour le débalance. Ouais, on en laisse aller ça. C'était la tendance. Et ce soir-là, Alain aurait eu son honneur individuel. Aurait marqué des buts, lui qui a travaillé dans l'ombre toute sa carrière avec les Nordiques de Québec. Il aurait eu son jour de gloire, puis... J'aurais été tellement fier pour lui. La décision controversée de Carey Fraser, qualifiée par certains de vol du siècle, demeure toujours une énigme pour plusieurs aujourd'hui encore. Quoi qu'il en soit, rien ne peut être changé, même si on rappelle que les Nordiques avaient gagné ensuite le sixième match à Québec avant de s'incliner à Montréal dans l'ultime rencontre. L'année 1987 marque un chapitre émouvant de l'histoire des Nordiques. Dale Hunter est échangé à Washington avec le gardien Clint Malarchuk. En retour, Alan Ewart, Gaëtan Duchesne et le premier choix des Capitals. Joe Sakic devient ce premier choix au 15e rang, devancé par Brian Fogarty, la première option des Québécois en 9e place. I broke my leg the year before. I only played so many games and I came back in the playoffs and played with kind of like a splint on or something, you know, and I didn't skate well. So combination of figuring that maybe I, you know, no, won't come back from the injury and they were starting to rebuild a little bit. We didn't do well in the playoffs. La transaction de Dale Hunter fait mal aux Nordiques, non seulement sur la patinoire, mais dans les cœurs, dans les gradins également. On laissait partir le joueur vedette de l'équipe. Mais à cette époque-là, Maurice Filion ne croyait plus en Dale Hunter. On savait une chose, on ne gagnera jamais la Coupe Stanley avec ce qu'on avait. Pierre Stastny vieillissait, Michel Goulet vieillissait. Alors, nos grandes vedettes prenaient de l'âge. Donc, il fallait absolument se reconstruire. Alors, lorsqu'on est arrivé ensuite au repêchage et qu'on a parlé de transactions, qu'il y avait un ami Joe Sakic de libre, tout le monde était d'accord. Tous les hommes de hockey des Nordiques disaient c'est le joueur autour duquel on peut construire. Dale Hunter, c'était le guerrier de l'équipe. C'était le cœur. C'est lui souvent, quand l'équipe. Et pour quelques minutes, dormait, mais c'était le gars qui avait toujours la façon de réveiller tout le monde. Puis c'était un gars qui jouait partout, que ce soit à la maison ou sur la route. Ça, c'était la pire transaction. Ça a tué les Nordiques. Pour sa part, Michel Bergeron s'en va à New York, moyennant une somme de 100 000 $ plus le premier choix des Rangers en 88. Ce sera Daniel Doré, cinquième sélection de l'encamp. Deux rangs derrière Curtis Lissichine, premier choix des Fleurs de Lysée. Mais ce qui m'avait chicoté, je connaissais l'écriture de celui qui avait écrit l'entente, c'était, à ce moment-là, le premier choix de repêchage, mais il y avait 100 000 $ de plus, US. Puis je savais qu'il avait écrit ça, puis ça me fatiguait. Puis lorsque j'avais vu ça, j'avais dit à mon agent, qui à l'époque qui était Pierre Lacroix, j'avais dit, si tu peux venir à une entente avec les Rangers, je pense que mon temps est fait. Hunter et Bergeron, c'était le petit volcan, c'était la braise qui était toujours très présente
toujours susceptible de rallumer quelque chose entre Québec et Montréal. Et quand ces deux-là sont partis, je dirais pas que la rivalité est disparue, mais ça a sûrement baissé de cran. Mais vraiment, là, avec Hunter qui partait, Bergeron qui partait, les statuts précaires de Goulet et Peter Stastny, on sentait que cette équipe-là là, s'en allait vers une période très sombre, très noire. André, longue carrière avec lui. Ex-porte-couleur des Nordiques, André Savard prend la relève de Michel Bergeron le 19 juin 1987. Pas un bon timing. C'était pas un bon timing. L'équipe, oublie pas, c'est l'année où on a échangé Dale Hunter. On a perdu Dale Hunter et puis il n'a jamais été remplacé. Jamais été remplacé, puis même pas proche. Avec le temps, je pense que j'aurais été capable d'avoir raison. Mais malheureusement, il y a certains gens qui ont engagé que je ne passerai pas les fêtes. Il y avait beaucoup de pouvoir, ils l'ont utilisé et puis ça a influencé d'autres gens. Marqué par la fatalité, la 9e campagne des Nordiques coïncide avec le début d'une très mauvaise période pour l'équipe de la vieille capitale. C'est une véritable descente aux enfers pour l'organisation québécoise et les fidèles partisans des Fleurs de l'Isée. À partir des années 87-88, on voyait que l'équipe commençait à diminuer et puis la pression était énorme. Mais j'avais, je chantais que j'avais pas beaucoup d'aide. C'est moi et Peter et Anton. Je pense qu'on manquait, on manquait beaucoup de support et puis c'est là que ça vient, que c'était très, très difficile. Il n'y avait pas vraiment de suite là, qui se faisait. Là. Il n'y avait pas beaucoup de stabilité au sein de l'équipe de toute façon. Même entre nous autres, entre les joueurs, il y avait quand même une certaine frustration qui avait dans la chambre. Si tu voyais qu'on n'avait pas vraiment une bonne chimie entre les joueurs, parce que tous les joueurs étaient frustrés. Là, c'est Savard qui reprend dans le coin. Savard retourne le but 39. Passe à Wilson. Honnêtement, on n'a pas de réponse vraiment à ça. C'est tout un enchaînement de mauvais choix au repêchage en partant, puis après ça, jusqu'à aller à peut-être quelques mauvais échanges aussi au travers de tout ça. Fait que... Je suis Martin Madden. En état de crise, à la veille d'entreprendre leur 10e saison dans la Ligue nationale, les Nordiques se lancent dans un programme de reconstruction sans précédent. Martin Madden est le nouveau directeur gérant et Jean Perron devient son assistant. Pierre Gauthier prend charge du dépistage et Serge Aubry est nommé entraîneur des gardiens de but. Après 14 ans dans le rôle de numéro 1 des Fleurs de l'Isée, Maurice Filion passe à la vice-présidence des opérations hockey. Je suis arrivé lors des premiers jours des Nordiques. Et puis lorsqu'on se fait mettre de côté et on voit un petit peu une lueur d'espoir qui s'en vient parce qu'on avait déjà commencé la construction du club. Et je savais que cette équipe-là, un jour, irait chercher une Coupe Stanley. Moi, j'y croyais fermement. On a senti pendant son règne aussi que... Il ne jouissait peut-être pas toujours de l'entière confiance de ses supérieurs. Et puis ça, je pense que ça l'a peut-être assombri un peu sa fin de carrière. Trois mois à peine après le début du calendrier 88-89, un drame éclate au Colisée. Le 15 décembre, lors d'une soirée très émotive, les Nordiques s'arrachent le cœur pour offrir une victoire à Ron Lapointe. Avant la partie, ils ont appris que leur entraîneur souffre d'une tumeur cancéreuse sur un rein et qu'il dirige son dernier match derrière le banc. Pour si la rumeur est vraie, bien sûr, son dernier match derrière le banc des Nordiques. Le lendemain, Jean Perron devient le 6e entraîneur des Nordiques, mais il ne fait que passer lui aussi, car il remet sa démission au terme du calendrier. Avec 61 points, les Nordiques ratent les séries pour une 2e saison consécutive. En zone adverse, remet à Chileos, le tir et le but! Le 29 novembre 1988, la brasserie O'Keeffe vend les Nordiques à un consortium d'entreprises québécoises ayant à leur tête Maître Marcel Aubu. Les actionnaires sont Métro Richelieu, la papetière d'Aishowa, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, la Mutuelle d'assurance et la Société Autile. Le groupe de propriétaires le plus fort, incluant le Madison Square Garden de New York, quand on regardait la capitalisation de tout ce monde-là, la richesse de toutes ces compagnies-là, québécoise, de chez nous. Et j'ai tout mis ça ensemble pour m'assurer justement que si jamais on avait besoin d'argent, on allait avoir des poches creuses tant qu'on voulait. Les joueurs avaient été invités à la conférence de presse avant de partir pour la Nouvelle-Angleterre. Et là, Marcel Aubu avait dit, cette équipe-là nous appartient maintenant. Elle va rester à Québec. Écoutez, vendre les Nordiques, c'était pour nous autres se faire couper pratiquement les deux jambes. Selon la rumeur, en achetant la franchise des Nordiques, Maître Marcel Aubu aurait fait la promesse que les Nordiques ne quitteront jamais la ville de Québec. S'est-il réellement engagé en ce sens? Existe-t-il un document écrit qui en ferait la preuve?
Non, ça n'existait pas, en tout cas, dans notre transaction à nous. Ce que j'avais entendu parler, ça avait peut-être existé entre la transaction des locaux, lorsque O'Keefe avait acheté deux autres, sous la pression de M. Lesage. Même là, ça n'a pas été prouvé non plus. Mais de toute façon, lorsque O'Keefe nous vend à nous, propriétaires québécois, jamais cette question-là vient sur le tapis. Jamais cette condition-là vient sur le tapis. Ce n'est pas dans aucun document. Élu président des Nordiques à 30 ans, Marcel Aubut est un fonceur intraitable. Aucun obstacle ne lui résiste. Et le gouverneur des Fleurs de Lysée ne perd pas de temps à faire valoir ses idées dans les corridors de la Ligue nationale. Et les rares fois, moi, où j'ai vu M. Jacques Allard, président de la Brasserie Molson, hurler au téléphone en me parlant, mais c'était contre Marcel Aubut, contre cette espèce de mal élevé, mal éduqué. Évidemment, aujourd'hui, les deux sont amis. Mais à l'époque, ça brassait. Mais Marcel Aubut, c'est un gars qui aura, bien sûr, fait énormément d'argent en vendant les Nordiques. Mais avant de les vendre, longtemps avant de les vendre, il leur a permis de les enraciner solidement à Québec. Il faut avoir vécu avec Marcel pour les grandes aventures, pour savoir à quel point il était intelligent. Il pouvait être mesquin, il pouvait être dur. Puis en plus, les années où il était encouragé par Jean D. Legault au marketing, il n'était pas reposant. À l'origine de la période de prolongation lors des matchs du calendrier et du fameux happening de rendez-vous 87, Maître Marcel Aubut a aussi forcé la main de ses homologues dans plusieurs autres dossiers, dont ceux des droits de télévision et des affiches publicitaires sur les bandes, entre autres. La raison pour laquelle on a réussi ça, c'est une chose. On était innovateurs. On travaillait plus fort que n'importe qui. On travaillait tellement fort. C'était la cause. Il n'y a pas grand monde qui travaillait au Nordique pour le salaire. Ça travaillait pour la cause. La 10e saison des Nordiques a des airs de déjà-vu avec le retour de Michel Bergeron derrière le banc. Le 2 février 1990, Maurice Filion reprend lui aussi son rôle de directeur-gérant. Mais le pouls des Québécois s'emballe à nouveau avec le retour au Colisée de l'enfant prodige Guy Lafleur. Le héros des remparts relance la fièvre nordique. Ça faisait drôle, par exemple, de dire, mais écoute, avoir vécu autant de pression puis autant de rivalité entre Montréal et Québec que je finis ma carrière avec les Nordiques, tu sais. Guy, c'était un exemple. Au niveau des entraînements, encore, même à 37-38 ans, Guy était le premier sur la patinoire. J'ai aimé ce gars-là. Là. C'était spécial parce que il n'y a pas un match que je me disais pas. Il me semble que je porte pas de bon chandail. Les gens m'ont beaucoup aidé à surmonter certains obstacles des fois que c'était pas facile, tu sais, motivation, tout ça, parce que l'équipe ne gagnait pas souvent. Des coups d'éclat qui ont l'effet d'un mirage devant une réalité plus cruelle encore. Les Fleurs de Lysée s'enlisent davantage. Le 5 mars 1990, devant l'évidence de la pire saison de leur histoire, les Nordiques échangent leur as marqueur Michel Goulet aux Blackhawks de Chicago. En retour, Daniel Vincelette, Everett Salipas et Mario Doyon. Je suis convaincu que si j'aurais continué à évoluer à Québec avec les circonstances, la situation, ça a été vraiment très difficile. Et puis, après avoir connu du succès et puis d'essayer de garder l'équipe compétitive et puis chance, je me sentais pas incapable, mais je voyais que j'avais pas beaucoup de support de ce côté-là. Le lendemain, Maurice Filion exauce également le vœu du capitaine Peter Stachny qui désire s'aligner avec un club dont les chances de gagner la Coupe Stanley apparaissent plus immédiates. Ainsi, le 6 mars 1990, le grand Slovaque passe aux Devils du New Jersey en retour des défenseurs Craig Wolanin et Randy Veliček. Après les années de service que ce grand joueur nous a données, on ne tourne pas la page sans avoir un serrement de cœur puis des fois un peu la gorge croche. Dans ce temps-là, je pense que c'est la première fois que je pleurais parce que ça m'a frappé. Peter semblait totalement désemparé. Je ne sais pas si à ce moment-là, il regrettait sa décision ou son geste. Dix ans, c'était pas 10 ans ordinaires, c'était extraordinaire. 10 ans de jeunes personnes, 10 ans avec ma famille, avec ma femme qui est arrivée avec moi, on est arrivé avec une poche, rien d'autre. Et maintenant, tout est fini. Thank you.
Devant les insuccès répétés de son équipe, le président Aubu donne un grand coup de balai au deuxième étage. Maurice Filion et Martin Madden sont limogés et Pierre Paget devient le nouveau patron des opérations hockey. Michel Bergeron ne résiste pas au vent de changement. C'est peut-être temps de penser, là, de faire plaisir à mes proches avant d'essayer de faire plaisir à d'autres. Et Dave Chambers s'amène à la barre de l'équipe. Un choix contesté. Pierre Paget. Donc, on a essayé cette chose-là, puis ça n'a pas marché. On a essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché non plus. Malgré la morosité, tout n'est pas négatif dans le monde des Nordiques. Sur la patinoire, on commence à apprécier le talent d'une future vedette qui s'est amenée dans le décor québécois via le fameux échange de Dale Hunter avec Washington. I think every year we kept getting better and we had a great group of guys and great draft picks. So I think just by being patient, I knew that it was just going to be a matter of time before we got good. And so you just be patient. Wait until that happens. Les insuccès répétés permettent aux Nordiques de regrouper à Québec un noyau exceptionnel de premier choix issu du repêchage. Les Fogarty, Sakic, Lessichin, Fizet, Sundin, Foote et Nolan font percevoir une lueur certaine après une longue période de noirceur. D'autant plus qu'au mois de juin, Valéry Kabienski, le meilleur hockeyeur soviétique, s'amène lui aussi dans la vieille capitale. Quelques jours plus tard, le surdoué Eric Lindros devient le premier choix des Fleurs d'Élysée, malgré la version avouée du clan familial pour Québec. Il avait refusé de mettre notre gilet au repêchage. Alors, c'était toute une mise en scène, ça, pour ne pas avoir l'air trop cruel. Mais son esprit n'avait pas du tout changé, il avait refusé de mettre notre gilet. Là, on savait qu'on s'en sortirait pas. Mais un manque de respect envers des amateurs de hockey fidèles, envers des vrais amateurs de hockey, des gens qui appuyaient leur équipe, des gens qui avaient besoin de voir revivre leur équipe. Puis on savait très bien que Lindros était justement le genre d'athlète qui aurait pu permettre aux Nordiques de revivre. Quel monstre! Lui, là, c'est incroyable ce qu'il a dit sur notre ville, qu'est-ce qu'il a dit sur notre culture. Nous autres, les francophones, on a vraiment pris ça vraiment dur. Je veux pas dire que les anglophones, ils n'ont pas pris ça dur. Je pense qu'eux autres aussi. C'est, tout le monde aimait ça de pouvoir jouer avec Eric Lindros. Ça nous aurait vraiment aidé à sortir du trou. La saga Lindros, qui préfère rejoindre son club junior à Oshawa plutôt que de se rapporter à Québec, a des effets négatifs inévitables. Dès la mi-novembre, Pierre Paget doit prendre les commandes de l'équipe après avoir congédié Dave Chambers. À l'image des précédentes, la campagne 91-92 se termine en queue de poisson et les Québécois sont exclus des séries pour une cinquième année consécutive. La grogne des partisans et des joueurs met une pression insoutenable sur le directeur-gérant qui décide de clore le dossier Lindros. Effectué le 30 juin et officialisé le 1er juillet 1992 après l'annulation de l'autre bâclée avec les Rangers de New York, la méga transaction avec les Flyers de Philadelphie rapporte beaucoup. Le gardien Ron Extall, les défenseurs Kerry Hoffman et Steve Duchesne, de même que les attaquants Mike Ritchie, Chris Simon et Peter Forsberg. S'ajoutent les premiers choix des Flyers en 93 et 94, ainsi qu'une somme de 15 millions de dollars US. Cette transaction-là a permis aux Nordiques là, de redevenir une équipe respectée et respectable. C'était le début de la fin des Nordiques et c'était le commencement de l'avalanche Colorado. La transaction Lindros produit un effet instantané chez les Nordiques dont le rebond spectaculaire les ramène parmi les meilleures équipes du circuit. Au terme de leur 14e campagne, ils totalisent 104 points, 52 de plus qu'en 91-92, un nouveau record de la Ligue nationale. Ils surpassent de 4 points la marque pour l'amélioration d'une équipe en une saison, établie par les Jets de Winnipeg en 81-92. Oh, we had a great time. Everybody was just excited, the players, the fans, and everybody was. It was so much fun, to get into the playoffs for the first time. Mais avec les Nordiques, le vieil adage se confirme plus que jamais en séries éliminatoires. Chasser le naturel, il revient au galop. Après avoir pris les devants 2-0 contre leurs grands rivaux de Montréal, ils se butent sur un Patrick Roy plus entêté que jamais, mis au défi par les commentaires de Daniel Bouchard, qui croit avoir décelé sa faiblesse. Celle qui revient à Sakic. Sakic maintenant. Dans la trappe pour Young, le tir bloqué par Roy. Et le retour à partir comme le goût. Quel arrêt de Roy!
À ce moment-là, on allait nulle part. Et puis, même moi, j'avais pas connu de bons matchs là, les deux premiers matchs. Je sentais que dans le deuxième match, on commençait à mieux jouer. On les craignait trop. Je pense, moi, ce qui a fait la différence dans cette série-là, c'est Patrick Roy. La façon qu'il a joué et la façon qu'il a motivé ses coéquipiers. It's a very small margin of who's going to win and who's going to lose in hockey. And that year, if we would have beat Montreal, we might have won the Stanley Cup. Pierucinski venu près d'en profiter. La rondelle est poussée vers Sundin qui joue en position. Le tir, le but! Oh, très beau lancer, Nancy qui est pour l'attaque. Attention à Savard. Savard s'élance le tir. Oh, belle arène extraordinaire. De garder la discipline dans la formation. Alors, les gens ont pu, comme on peut le voir ici. Lors du sixième match au Forum, rien ne va plus pour les Fleurs d'Élysée qui en arrachent, mal appuyées par un Ron Extall chancelant. Trahi par son homme de confiance, Pierre Paget voit rouge, et sur le banc, Matt Sundin doit subir la terrible colère de l'entraîneur québécois. Sort en toute humilité, quitte le devant du but pour faire place au jeune Fizet. Premier point de Denis Savard, Claude. Bien présent au tiré. Yeah, it's been a little bit of an issue, but our line took some heat. I remember we were playing against Kirk Muller's line, and they scored an important goal at the end of the third period. But we had a good relationship. I have nothing but good to say about Pierre Paget. L'erreur que j'ai faite, c'est de critiquer publiquement. Je pense que j'aurais dû critiquer en privé, parce qu'il méritait d'être critiqué. La défaite du printemps contre le Canadien est comme une brûlure qui refuse de cicatriser lorsque s'ouvre le camp d'entraînement de la saison 93-94. D'autres bobos aboutissent également avec la renégociation du contrat de Steve Duchesne qui s'éternise. L'insistance de mettre au but pour un nouveau Colisée qui assurerait la survie des Nordiques à Québec dérange pas mal de monde. La confiance envers Pierre Paget s'effrite également. It was a tough year. It was very frustrating and tough for your confidence to play good hockey when you're losing all the time. Well, la saison 94-95 commence mal pour les amateurs de hockey sevrés de leur sport préféré jusqu'à la mi-janvier. Au bout de 103 jours de grève, les propriétaires en manque de revenus passent l'éponge. Ils sacrifient la fameuse clause du plafond salarial, planche de salut des petits marchés. À Québec, Pierre Paget est parti après son refus de limiter son rôle à une seule des deux fonctions de directeur-gérant ou d'entraîneur. Pierre Lacroix, le nouvel homme fort des Nordiques, multiplie les gestes d'éclat, dont le surprenant échange qui expédie Matt Sundin à Toronto en retour de Wendell Clark. Attendu depuis longtemps, Peter Forsberg, le joyau obtenu dans la méga-transaction d'Eric Lindros, fait écarquiller les yeux au camp d'entraînement. Mark Crawford, 33 ans, le plus jeune entraîneur de la Ligue nationale, avec une feuille de route impressionnante, apporte lui aussi un nouveau souffle d'enthousiasme à Québec. J'ai décidé de choisir celui qui, à mes yeux, représentait une nouvelle génération et amenait de nouvelles idées. Et je pense que, je suis convaincu, les résultats sont là, que Mark a été le choix parfait pour le travail qu'il avait à faire. À la faveur d'un calendrier écourté à 48 parties, les Nordiques s'imposent. Joe Sakic est éblouissant et Stéphane Fizet enfin est le gardien numéro un. Il revendique 30 victoires. Mark Crawford et Peter Forsberg sont choisis respectivement entraîneur et recrue de l'année. Les Fleurs d'Élysée sont largement favoris à l'aube des séries éliminatoires qu'ils amorcent contre les Rangers de New York. Devancé pour Basson, le tir, le but! Oh, quel beau, oh, quel beau tir! Il a quitté son poste. Romaniov maintenant. Une passe qui va du côté droit en pleine zone, et le but! D'abord, il faut dire que les Nordiques ne jouent pas très, très bien. Je me souviens pas d'avoir vu les Nordiques jouer un match solide dans cette série. Passe par derrière le but, n'a d'autre choix de le faire parce que le Sechin s'était laissé pousser. Et le but! Yem Tinov! On a quitté le bord des pénalités, Claude, et on travaillait. Nous autres aussi, de notre côté, on pensait bien que c'était notre année. Je pense qu'on avait vraiment une bonne équipe, on avait une bonne gang de joueurs, puis malgré cette tournée du mauvais côté. Jusqu'à Nolan, Forsberg, le tir et le but! Oh, quel beau but! Ça s'est terminé un peu ironiquement, encore une fois, avec une mauvaise décision d'un officiel. Qui devient une passe pour Sakic, Sakic le tir et le but! Oh. En désavantage numérique! La décision de Van Allemann de siffler...
deux à trois secondes après le but de Sakic et ensuite de l'annuler. Et ça, ce but-là, ça l'était. Ça aurait tout changé l'allure de la série. Van Allemen refuse le but sans aucune raison. Tout le monde disait que c'était un bon but. Il était tellement bon, ce but-là, que Van Allemen n'est plus jamais revenu dans la Ligue nationale. Et c'est terminé. Les Rangers... Pendant que les Nordiques s'escriment sur la patinoire, les démarches de mettre au but pour un nouveau Colisée et un casino afin de garder l'équipe à Québec ne rallient pas les différents paliers de gouvernement. D'autre part, aucun acheteur québécois sérieux ne se manifeste pour contrebalancer la proposition de Comsat Communications. Dans les circonstances, la vente de la concession et le départ des Nordiques sont d'une évidence atroce au fur et à mesure que le calendrier égrène les jours. J'ai le regret de vous annoncer que les propriétaires se sont finalement résignés à accepter une offre d'achat de la part de Comsat Communications de Washington pour transférer le club à Denver, au Colorado. J'ai douté jusqu'à la dernière minute. J'étais naïf un peu. J'ai douté que Marcel soit sérieux. Mais je pense qu'il n'était pas tout seul là-dedans. Les gens ont compris aussi que j'avais à peine 16 % du club, donc la décision ne me revenait pas tout seul. Je n'étais plus identifié au club parce que j'avais bâti l'organisation. Et quand il a fait la conférence de presse pour dire que c'était fini les Nordiques, on était assis un peu assis sur nos chaises pour nous dire « Oh, ça sera plus jamais pareil. » Mais je pense que Québec aurait mérité une vraie négociation parce que le club aurait pu survivre. Je pense qu'on aurait dû attendre un peu avant de vendre l'équipe, voir s'il n'y aurait pas d'autres solutions. Moi, je pense que ça s'est fait trop vite, ça s'est mal fait. La décision de Marcel de ne pas accepter le plan Parizeau qui offrait d'acheter ses parts et de garder le club à Québec pour 2 ans et de décider par la suite, en 1997, si on devait vendre le club ou si on devait bâtir un nouveau Colisée. Marcel n'aurait jamais accepté que Parizeau réussisse, le gouvernement réussisse ou lui, il avait échoué. Parce que c'est un échec pour Marcel Aubut, ça. Sauf que je dois vous admettre aujourd'hui qu'avec mes scénarios les plus pessimistes que j'avais fait dans le temps d'augmentation, mes plus pessimistes ont été battus aujourd'hui de 30 à 35 % par rapport à ce qu'on prévoyait de pire. Après avoir entretenu la passion des Québécois pendant tant d'années à travers l'une des belles et grandes rivalités sportives contemporaines, en toute logique, l'épopée des Nordiques aurait dû se terminer par une parade de la Coupe Stanley sur la Grande Allée à Québec au printemps 95. Malheureusement, le rêve est devenu réalité ailleurs, une année trop tard pour leurs partisans, quand les Nordiques se sont transformés en Avalanche qui a déferlé avec fureur sur la Ligue nationale en saison 95-96. Le vénérable trophée de Lord Stanley a été porté à bout de bras par le capitaine Joe Sakic et ses coéquipiers dans les montagnes du Colorado, loin des yeux qu'il aurait dû éblouir après en avoir fait tellement baver d'envie les inconditionnels du chandail fleur-de-lysée. Cette fresque du patrimoine sportif québécois s'inscrit donc dans l'histoire comme le rêve inachevé des Nordiques et de leurs partisans, victimes de l'appétit vorace des athlètes et du laxisme des propriétaires. C'est ce qui faisait l'équipe, c'était point des joueurs, c'était point le coach, mais c'était un ensemble de tous les éléments, c'était une synergie. Et je me souviens, dans les belles années des Nordiques, j'allais au Colisée, j'allais à tous les matchs. C'était toujours un régal d'aller au hockey. On avait fait le tracé, Jean-Delegault et moi. On partait de l'hôtel de ville de Montréal. On s'en venait par le chemin du Roi, de Montréal-Québec. Et on arrêtait dans chacun des villages avec la coupe. Ça durait presque une semaine. Et on arrivait à Québec, c'est la grande année. Ça a été ma vie, c'est de même que je me suis fait connaître. Les meilleurs amateurs au monde, les plus vrais, les plus sincères, sont à Québec. Je veux toujours sentir le joueur de Nordique. Je veux toujours être joueur de Nordique. Toutes ces années-là ont été des années passionnantes. Et ce que je regrette le plus dans toute l'association avec les Nordiques, c'est qu'on n'ait pas donné la chance à cette équipe de remporter une Coupe Stanley avant de la vendre. C'est ce qui me fait le plus mal. C'était dans mon cœur. Les Nordiques, j'essayais de les défendre, j'essayais d'être
celui qui, dans l'été, dans les tournois de golf, d'être le porte-parole, de, d'amener les Nordiques, d'amener les gens à aimer les Nordiques de Québec, parce que moi, je les aimais tellement.